s'il sert. Lucas. Allez. Second poteau, Pavard. T'arrives à un boulot pour moi. Ok, alors on appelle moi au boulot. Ok, ah, on est pas bien. Ciao, comme est-ce que Alhamdoulilah. Attends, l'équipe technique, elle est passée. Je découvre en même temps que vous que les sons là. Je suis dépressif, hein, mesdames et messieurs. Mais non. Même nos briquets dansent de la feu. Ouais. C'est la maritime, les gens. Ça va, les gens? Putain. Ah. Ouais. Y'a un bug, excuse-moi. Y'a un bug. Attendez. Ah, tonight. Aucune donnée. La putain de sa mère, la pute. Putain de sa mère, la pute. Cette connexion de merde. Regarde là. Attendez, ça va reprendre. Appuyez F5, les gens. Fais voir, si j'appuie F5. I want you need. Appuyez F5 et dites-moi si c'est bon. Moi, je me vois pas, là. Ça bug ou c'est bive? Non, wallahi, moi ça bug, je trouve que ça bug là. Pocho, va, me dit quoi? Ça a bugué. Faut qu'elle fasse. Ah ouais. Ok. Can I get of you? Est-ce que ça bug là? iCloud plus tard. Ok. Alors, essaye de couper ton téléphone. La sauvegarde iCloud. Comme ça, ça. Hein, je sais que tu m'entends? On est revenu ou pas? On est revenu, on est bon? Les modérateurs, c'est bon? Ouais, c'est bon. En fait, les gens, tu sais, quand ça bug, c'est tous les enfants de salopes qui nous détestent mais qui nous regardent. Ils sont au bout du rouleau, au bout du zeb. Ils peuvent pas faire comme toi. Ils ont pas le bagou, ils ont pas, ils sont au bout. Comment on va faire? Et pendant ce temps-là, nous, attends. Pendant ce temps-là, nous, on applaudit l'équipe technique sur la tête de Manon. Attends la mi-temps.
C'est bon? Allez, c'est bon, impeccable. Attends. Faut que je le règle. Même ça, faudrait qu'on change là les drapeaux. Faudrait qu'on les mette. Qu'on les mette ailleurs. Voilà. Tu penses quoi du taf que l'influenceuse Mila Jasmine se fait passer pour une arabe? Mais ça vous dit. Mais ça, je vais t'expliquer une chose, frérot. Depuis combien de temps on vous le dit? La tête de ma mère, on vous l'a toujours dit. Mais en fait, les arbillettes, beaucoup d'arbillettes, je dis pas la plupart, hein, mais beaucoup de robeux, c'est tellement des salopes, elles ont ça dans le sang, qu'elles s'identifient à elles, bissif. Ouais, mais c'est une musulmane, donc, tu vois, elles sont dans le déni le plus complet. Mais vu qu'elles aiment bien sucer, donc c'est normal pour eux, on est tous des... Je vous ai dit, les gens, ils sucent... J'ai pas envie de dire parler comme ça, mais ils pompent le... Starfall, j'allais dire un mot. Parce que ces vendeurs, c'est tous des fils de pute. Je vous dis depuis le début, tous des fils de pute. Et vous avez vu, hein, ils tombent tous les uns après les autres. Eh ouais, l'autre, elle s'est inventée. T'appelles Cindy, nique ta grand-mère. Sois fier, non? Je sais pas pourquoi tu nous suces, tu mets des hijab en plein mois du ramadan. Le premier jour, elles sont toutes là aux aguets avec leur hijab. Après, elles ont leurs règles pendant 30 jours. Pinez vos mères, Allah l'adim. Bon, bref, les gars, moi, je suis dépressif. On va parler de la dépression dans les quartiers. La dépression dans les quartiers. Oui, Marcellus Wallace. Il meurt à avaler des couleuvres. Ils adorent ça, les gens. Les gens, Rouya, ils adorent ça. Tu me comprends ou tu comprends pas? Wallah. Il est où, le nouveau bar, The B? GTO, arrête de faire chier, quand même. Allez, on vous met ça pour l'instant. Allez, vous bagnettes. Bravo à l'équipe technique. Les modérateurs, vous inquiétez pas. Hein. Le frérot, il va vous filer vos 200 boules. Vous inquiétez pas. Voilà. Voilà. Bah, hein, hein. Moutou, Belrazoul. Meurs. Mourez. J'irai pisser sur vos tombes. Bon, allez. Alors, attends. Attends, tranquille. Ouais. Attends, alors. Non, les fakes, les trolls, les chiennes, rentrez en cage. Aujourd'hui, on vous prend pas. Voilà, rentrez en cage. Allez, hop, allez. Hop. Alors, on va prendre déjà les premiers invités. Après, on va rentrer au cœur de la meule et vous allez comprendre. Allô? 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 Allô, Selem? Allô? Oui, allô, Selem, est-ce que tu m'entends? Ouais. Tu m'entends? Tu m'as appelé? Ouais, je t'entends. Tu voulais qu'on t'appelle, frérot? Oui, je me suis trompé. Ah, ça m'a écoumé. Si, ça y est, là, c'est Bassem, ok. Non, j'ai pas... Frère, subhanallah, ouais. Pourquoi t'es comme ça? Authentique, tu m'envoies ton numéro tous les jours! Tous les jours! Même si demain, je parle de petit oiseau sur un arbre, tu m'envoies ton numéro. Et là, je t'appelle, tu me dis, ah, Shkoun, qui c'est? Non, j'avais oublié. Gens. Oh, mais voilà comment j'aime pas ces gens. Tu vas comprendre, le bas de ta parole. Merci de l'appel. Je vous déteste. Merci. Vas-y, frérot. Merci pour l'appel. Donc. Attends. Bon, écoute, alors, le débat aujourd'hui, c'est pour les dépressifs, alors. C'est vrai, frère. Wallah, c'est un vrai débat. Bon, wallah, moi, frère. Dire, moi, je vais dire, attends, les dépressifs racontent, comme t'as dit. T'as vu, moi, j'en suis un. Je suis un vrai d'astri. Ça avait été. Ouais, on le voit. Je vais raconter mon vécu, mais c'est du vécu. C'est du vécu. Commence pas à affoler. Moi, je t'ai dit, non, voilà, j'affole pas. Moi, attends, juste, je me déconnecte de Snap. Attends, frérot, juste, je me déconnecte. Vas-y. Voilà, on met à la niche les enfants de putain. Juste, je me connecte et puis je me déconnecte et après, t'y vas. Appelez vos grand-mères. Allez, vas-y.
Ouais, allez, vas-y, dis, bon, moi j'ai fait une grosse dépression, moi, t'as vu? Mais grosse dépression, pourquoi? Parce que t'as vu, j'étais dans la rue, moi j'ai bé, tu vois, je suis allé à la rade, j'ai fumé des tapenards, enfin voilà, la vie qu'on connaît, tu vois. Et je sais pas, grosse dépression. Mais quand t'as vu grosse dépression, ça veut dire un jour je me suis levé, des grosses crises d'angoisse, stress, en sueur, pas bien et tout ça, j'avais envie de rien faire et tout ça, t'sais. Voilà, mais, justement. Mais voilà, moi après, tu vois, j'ai. Justement, frérot, ouais. J'aimerais te poser cette question. Alors, on va parler avec d'autres personnes, avec des hommes et des femmes. Comment. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, tellement que les générations se sont affaiblies, il y en a beaucoup aujourd'hui qui surfent sur la vague. Ils vont te dire qu'ils sont dépressifs alors qu'ils ne le sont pas. À ce qui paraît, moi, on m'a dit. Et la room, vous allez me le. Voilà. Attends, et la room, vous allez me le confirmer. Être dépressif et faire une dépression, c'est pas les mêmes choses. Hein. Dépressif, tu peux l'être toute ta vie. Tu cherches un briquet, tu trembles, tu paniques pour rien. Mais la dépression, ça peut arriver, rouya, à tout le monde. Mais j'ai envie de te dire, c'est quoi les prémices? Comment est-ce qu'on sait qu'on est en pleine dépression? Et est-ce que déjà on le sait? Moi, je vais te dire, ok. Ah, on le sait, c'est direct. Parce que moi, tu sais quoi, moi, j'étais un bon vivant, toujours dans la rue. Voilà, j'ai fait des coups. Je courais derrière les femmes, tu vois, j'ai serré des femmes. Enfin, voilà, c'était une vie de bohémien, tu sais, une vie de rat, quoi. Et jour au lendemain, je me suis réveillé des grosses crises d'angoisse. Mes mains tremblaient tout seul. Un tox. Pourtant, tu vois, j'avais pas arrêté le tamien ou autre, hein. Mais comme ça, d'un coup, j'ai les mains qui tremblent, grosse crise d'angoisse, des envies de pleurer. Moi, j'ai pleuré, je te dis, franchement, j'ai pleuré. Pas devant les gens, hein, t'as vu, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est pas quelque chose, tu peux pas afficher ça. Moi, j'affiche ça, même mes frères. Alors, toi, pour ton cas, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est venu du jour au lendemain, frérot. C'est venu du jour où tu commençais à glisser. Est-ce que tu commençais après, à glisser? Dit, c'est le tamien que tu as fumé, tu vois. Oui, parce qu'après, moi, je te dis, dès que tu es comme ça, tu cherches toutes les solutions. Et en fait, il y en a dit, c'est le tamien qui t'a rendu comme ça. Après, tu as vu, tu t'isoles, t'es pas bien, t'as envie de rien faire. Alors pourtant, j'étais un bon vivant, hein, tu vois, je courais après les femmes, on allait à droite, à gauche, tapait des délires, partait sur des week-ends comme ça, coup de tête, on descendait dans le sud à Malaga, voilà, tu vois, la bonne vie, quoi. Et jour en lendemain, plus rien, j'avais plus envie de faire quoi que ce soit, les gens me disaient viens, je leur disais non, et je m'isolais à la maison, même si je sortais, tu vois, j'esquivais les sables, rien envie de faire, les cheveux, je me coupais plus les cheveux, alors que je faisais des blancs tous les samedis, je faisais une coupe. Là, je me coupais plus les cheveux, une barbe d'un mois, un vrai clochard. Laisse tomber, c'était vraiment le. Tu t'es laissé. C'est dans le cerveau, hein, parce qu'il faut comprendre. Que... En fait, excuse-moi. Je me suis laissé aller, mais tu te laisses aller. Même tu t'essayes de te battre, tu vois, t'essayes de te battre quand même. Tu te dis, je suis pas un clochard, parce que t'as vu. Mais au bout d'un moment, même le regard des gens, tu le calcules même plus. Salman Hayek! Attends. Salman Hayek, là. Salman Hayek! J'en suis sûr et certain, tu dois ressembler à son orteil gauche et tu t'appelles Eba Hayek. La tête de ma mère. T'ouvres encore ta choix et tes lignes sur mon live, on te fait un deuxième trou de balle. Arrête de parler pour rien. Nightbot, tu mets les yeux dessus. Aujourd'hui, c'est elle. Je vais dire au frérot au stream deck, il va me mettre la musique de Faites Entrer l'Accusé. Dès que j'en choisis un, je dirai son nom et je mettrai la musique de Faites Entrer l'Accusé. Attends, frérot, bouge pas, reste avec moi. On va commencer avec cette garce là, attends. Ouais, moi je les aime pas, ces femmes dans la room qui écartent. Moi j'aime pas, dans mes lives, il y a des femmes, elles donnent leur avis. Vous a rien demandé. Fermez-la, on vous a rien demandé. Attends. Tu vois, on a rien demandé nous, elles arrivent. Venez parler au téléphone, mais tu... Non. À chaque fois qu'on mettra. Salma Hayek. Espèce de kahba, va. Ouais frérot, excuse-moi, je t'ai coupé. Alors, aujourd'hui, tu as quel âge? Ouais, je te disais, mais moi, tu as vu, je suis des années 80, je suis ta génération, tu sais, j'ai plus de 40 piges, tu vois ce que je veux dire, moi, dès que j'avais fait la DP, mais il fallait à tout prix, il fallait pas qu'ils sachent, tu vois ce que je veux dire. Mes frères, pareil,
dans la famille, il fallait pas que ça sache. Ça fait que, tu vois, je allais, je m'isolais, j'étais pas bien, j'angoissais. C'est fou, toi. Ça, frérot, wallahi, c'est compliqué. Quand tu dois balnave envers ta c'est famille, parce qu'en balnave plus, envers les gens. À cette époque-là, tu leur parlais, tu disais, t'es mes genoux, tu vois ce que je veux dire. Moi, c'est vrai, c'est vrai. J'aurais dit ça, mais ça, ils m'auraient dit, t'es mes genoux, t'as vu, t'as c'est dit, vrai. Voilà. Ils ne comprennent pas, ils n'ont pas la psychologie. C'est vrai, frérot, moi, si je peux me permettre, Après, c'est pas une histoire tragique ou quoi que ce soit, hein, parce que moi, ce que j'ai fait, là, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. En plus, j'ai bossé tôt, j'ai dormi dans ma voiture pendant des mois, tu sais, pendant des mois, j'ai dormi dans ma voiture en plein hiver, j'avais une 205, elle n'était pas étanche, il y avait de la buée à l'intérieur de mon pare-brise à l'intérieur, tu sais, j'étais dans le froid, j'allumais mon moteur, je mettais le chauffage, dès qu'elle était chaude, hop, j'éteignais le chauffage parce qu'il y avait le gasoil aussi qui comptait, je me mettais paf en boule derrière, t'es fou, toi, ces moments-là, c'est ça aussi qui m'a déclenché ma, tu vois. Pourquoi j'étais comme ça? Parce que j'allais bosser loin. Non, tranquille, attends, frérot, tu fais mes questions. Tu fais mes questions et mes réponses, je vais devenir fou. À cause de toi, je vais prendre un Xanax, The Bee. Attends, frérot. Je veux juste savoir, comment ça se fait que tu en es arrivé à là, frérot? T'as dormi dans ta voiture, il s'est passé quoi? Eh ben, je te dis, moi, j'ai commencé à bosser tôt, tu sais, j'avais commencé déjà à 16 ans, je faisais les marches et les ci, les ça. Mais après 18 piges, moi, je suis allé bosser en Suisse, tu sais. Je suis allé bosser en Suisse, les logements là-bas. Va trouver un logement quand t'as 18 piges, t'as jamais bossé de ta vie. Tu crois, les gens, ils arrivent, tu dis, ouais, les fiches de paye. Ils voient les fiches de paye, 1200 balles. Excuse-moi, Harry. Excuse-moi, 30 secondes. Pas trouvé du tout. Donc, au départ, il faut se faire de, tu vois. Ben oui, mais toi, tu parles, mais toi, t'as une belle vie, toi, en fait. Toi, tu parles, Vénitieux, si ça, mais t'as une belle vie en vrai, toi. J'ai une belle vie de quoi? Toi, t'as une belle vie. J'ai une belle vie de quoi? Toi, t'as toujours eu ton dessert à la fin de tes repas. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Attends, excuse-moi, tu sais quoi? C'est quoi? D'accord, écoute. Reste avec moi. Moi, j'étais tout seul. D'accord. Aïchi, frérot, 30 secondes. J'ai connu la rue, j'avais 17 ans. T'as connu la rue. Allez, vas-y, attends, 30 secondes, frère, reste avec nous. Je crois qu'il y a un second fou qui est avec nous. Alors, Pierrot, alors, est-ce qu'on est bon, Pierrot? Je sais pas, là, je vous ai mis en conférence, je vois que ça marche. Ouais, salam. Alors, salam alaikum. Alaikum salam. Ça va et toi? Ouais, ça va, frérot. Alors, vas-y. Déjà, je vais commencer en préambule, et je vais commencer par une conclusion hâtive au début. Frérot, pour attends, moi, excuse-moi, la dépression, c'est ce tu que vas en fait. Commencer. Ça veut dire... Tu vas commencer en pilule, avec une pilule ou en préambule? Wallah, j'ai pas compris. Non, frérot, moi, tu vois, moi, j'ai fait une grosse dépression, mais je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'en fait, la dépression, c'est ce que t'en fais, en fait, tu vois. Pour moi, la dépression, elle n'existe pas. Tu vois, parce que je suis passé par cet état de dépression, je me plains comme le frérot à côté. Ouais, moi, non, commence pas à dire n'importe quoi, toi. Oh, frérot, excuse-moi, pour aller avec le respect que je te dois. Arrête, commence pas à dire n'importe quoi. La dépression, c'est quoi? Frérot, François Pignon. François Pignon. Ah, tu peux le laisser parler, frérot. On donne la parole à tout le monde, tranquille. Il y en aura pour tout le monde. Il y a des conneries. Arrêtez de faire des conneries, moi, je suis là pour vous reprendre. Sur la tête de ma mère, toi, on va t'insulter pour de vrai. Wallah el azim, là, on te respecte. C'est parce qu'on sait que t'es un fou. On te respecte, on dit rien, frérot. Apprends à respecter les gens. C'est une conversation publique avec les gens. Coupe pas la parole. S'il te plaît, merci. Sinon, t'auras pas de chocolat. Ouais, frérot, je t'écoute. Donc, c'est très intéressant ce qu'il nous disait, le frérot, là. Le second. Déjà, pour commencer, tu vois, moi, je vais être rapide. Je vais essayer de faire au plus vite. En fait, moi, j'ai fait ma dépression. J'avais peut-être 17 ans. Aujourd'hui, j'en ai 30, tu vois. Ça a commencé comment, en fait? Moi, mon père, il s'est barré, tu vois. Il s'est barré et j'ai vu ma mère partir dans un état, frère, laisse tomber, tu vois. Et moi, je suis l'aîné de ma famille. À ce moment-là, j'avais 17 piges, je travaillais. Il est là le paradoxe. Ça veut dire que je travaillais, mais je m'étais enfermé dans un truc, dans un marasme, tu vois. Ça veut dire que je fumais beaucoup de bédos, je m'enfermais, je sortais dans ma cité, j'attendais la nuit, je me posais, je prenais un petit flash et j'étais en train de hammam. Mon frère, excuse-moi de te couper, j'ai une question. Alors, j'ai une question pour vous deux et j'ai une question pour la room. Alors, est-ce que un mec qui fume pas, demain il fait une dépression, est-ce qu'il peut se mettre à rouler des rnouf? J'ai remarqué, les dépressions, elles arrivent aux rnoufeurs, elles arrivent pas aux autres. C'est vrai, parce que le rnouf, en fait, il va déclencher. En fait, la dépression, souvent, elle est en toi, c'est le rnouf qui va déclencher ça, tu vois. Wallah, c'est vrai. Toi, t'as essayé d'arrêter le Damien ou pas?
Très dur. Sais, moi, j'ai un... T'as vu très quand dur. au bout d'une semaine, tu commences à trembler, à avoir des sueurs chaudes, froides, tu dors mal. Mon frérot, oui, je suis pas, je, mon frérot, et je ben ne suis pas allé, je ne suis pas allé à plus d'une semaine. J'ai fait 2-3 jours et j'ai craqué. Et sur la tête de ma mère. Frérot, moi, un jour, vas-y. Attends, le second frère. Un jour, Inch'Allah, tu iras à plus d'une semaine. Inch'Allah. Parce que tu ouais, mais tu vas ressentir ce qu'on dit là. T'as vu, tu vas commencer à trembler, les crises d'angoisse, etc. Ouais, pour et là, l'instant, je ressens que le triple filtré, ça me va très bien. Le second frère, frérot, je t'écoute. Ouais. Bah, déjà, en fait, allez, vas-y. Bon, après, je continue dans mon truc de bédo. C'est-à-dire, je remettais tout à demain, frère. Je passais pas le permis. J'avais pas le permis, j'avais rien. Et ça a duré pendant longtemps. Tu vois, je remettais tout à demain. Le paradoxe, c'est que j'ai toujours travaillé. Tu vois, tu connais, il faut manger, il faut ramener un peu de draham et tout. Donc, à côté de ça, j'ai quand même toujours travaillé. Mais malgré ça, tu vois, je repoussais tout à demain. Le permis, je l'ai passé. Regarde comment ça s'est passé. Je vais aller au plus vite. En fait, le truc, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais en train de me détruire moi-même et que c'était moi qui faisais que ma situation était en train d'empirer. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait que je fasse les efforts, il fallait que ça me fasse mal pour m'en sortir. Ça veut dire que décembre 2020, frérot, j'ai tout arrêté. J'ai arrêté le béto du jour au lendemain. Pendant 3 mois, il ne fallait pas me parler. Voilà, j'insultais des gens. Du jour au lendemain, frérot. Du jour au lendemain, frère. Par contre, ouais, j'ai enchaîné les clubs comme jamais. Ça m'a fait mal, hein. C'était dur, gros. C'était dur. J'ai pris du poids. Voilà, frérot, j'ai pris du poids. Les gens me disaient, ouais, tu ne connais pas. J'ai pris du poids à mort parce que tu connais, je sais pas, ton cerveau, il a envie de compenser. Ça veut dire que je mangeais comme un louf. J'ai arrêté. Et je n'ai pas tout enchaîné. En fait, j'ai fait des efforts pour, tu vois. Je travaillais à côté, j'étais dans une boîte d'accueil. Je travaillais et je me suis rendu compte que je ne touchais pas assez d'argent. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis inscrit au code, j'ai eu le code. Je me suis inscrit au permis, j'ai eu le permis en 3 mois. Le bédo, je l'ai arrêté. Donc, au final, en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait que j'occupe mes journées. Et plus tu occupais tes journées, plus tu faisais des choses. En fait, c'est simple. Moi, j'ai remarqué un truc, les hommes du 21e siècle, pourquoi ils tombent en dépression? C'est parce qu'ils n'ont pas de projet pour demain, en fait, tu vois. J'ai l'impression, en fait, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire demain. Tu vois, c'est comme si t'avais plein d'enfants de 40 ans. Il a tout à fait raison. La tête de mon père, on applaudit ce mec. Il a tout à fait raison. Alors, attends. Ouais. C'est important. Ouais. C'est important. Alors, il faut revenir à ça. Ouais, frérot, on a dit, toi, on t'a dit, on passera dans ta cellote plus tard. Tiens, on dirait l'infirmière à 13h, et ben elle rate. Elle arrive. Dès qu'elle arrive, après la gamelle. Attends. Frère, on va passer à la cellule 205. Bouge pas, on va te ramener tes pastilles. Ouais. Qu'est-ce que je connais de la rue? Vous avez connu de la rue. Oh, moi, j'ai connu la rue, j'ai connu la rate. Qu'est-ce que je connais de la rue? Mais je m'en bats les couilles que t'as connu la rue, la rate. Tu l'as choisi. Wallah. Alors, moi, j'ai une question. Le dépressif, le premier frère, là. Tu as connu la rue par rapport à quoi? Tu t'es fait violer? Est-ce que tu t'es fait violer par tes parents? Non, la rue, c'est parce que... Tu t'es fait frapper par tes parents? Non, bah va te faire enculer! C'est toi qui l'as choisi! Tu me fais penser à ces enfants... Tu me fais penser à ces enfants d'architectes qui jonglent devant les bureaux de tabac! Va te faire enculer! Allez, vas-y, allez. Non, t'attends. Allez, d'accord. Non, frérot. Tu me fais penser à tous les rappeurs. Tu me fais penser aux rappeurs. Ne parle pas, François Pignon. La vie de ma mère, il ment. Exactement, c'est un menteur. Hakrabi, ment. La misère, c'est quoi? La misère, c'est ne pas avoir à manger, ne pas avoir un toit. Frère, on est en France, on a à manger, on a un toit. T'as pas à manger, tu vas chez Coluche. C'est tout. Il te donne par le bas, il te donne un truc. Arrête, frère. Faut arrêter de dire. Comme si, en fait, là, c'est un concours de qui a le plus souffert. On n'est pas comme ça. Exact. Là, en fait, on est dans un débat. En fait, sur nous, la dépression, c'est de la souffrance quand même, tu vois. La dépression, c'est vraiment une dépression. C'est de la souffrance inventée. Tant qu'il n'y a pas eu du physique, vous êtes des menteurs. Vous êtes des coups durs. C'est quoi les coups durs? Parce que tu n'as pas trouvé de feuille un jour. Attends, moi, je vais te dire une chose. En France, on est le pays. En France, on est le pays où on consomme le plus d'antidépresseurs au monde. Et c'est pas pour rien. Pourquoi? Parce que la sécu fait partie du rouage pour anesthésier le grand public. Quand t'arrives à la rate et tu lui dis j'arrive pas à dormir parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent par les fenêtres, elle te donne du Zoplicone. Ces salopes, elles vous droguent déjà en rentrant. Donc moi, j'ai envie de te dire, frérot, le premier, wallah, qu'on critique pas, mais moi, j'en ai marre d'entendre ces gens. Tu me fais penser à ces gosses d'architectes qui finissent avec plein de chiens qui jonglent devant les bureaux tabac et qui se disent « on sent mal dans la vie ». Moi, pour moi, tu quittes pas ton domicile tant que tu te fais pas violer, tant que tu te fais pas violenter. Sinon, le reste, si tu t'es retrouvé à la rue, c'est que tu l'as mérité. Et de ta vie, on sent pas les couilles. Putain, allez frérot, au second. Du moins, c'est un choix que t'as fait parce que
Parce que tu sais, pour passer d'une vie d'abondance, gros, faut passer par la souffrance. Et tu vois, faire les efforts pour s'améliorer, gros, c'est dur. Devenir musclé, aller à la salle, gros, c'est dur. Faut avoir la discipline. Travailler à 5h du matin sur les chantiers, c'est dur, frérot. Tu vois ? Et sortir de la dépression, c'est le même état. C'est-à-dire sortir de la dépression, c'est dur de faire ce processus-là. Mais j'ai fait tout ça, moi, j'ai fait tout ça. J'ai fait tout ça, je connais les salles de muscu, je connais l'usine, j'ai connu les marchés, j'ai connu tout ça. Mais qu'est-ce que je veux dire ? Moi, la dépression, d'où tu t'es ? C'est dur de sortir de la dépression. Moi, tu connais, j'ai mis 5 ans hein, pas avant de m'en sortir. Et attends, je vais te dire comment je m'en suis sorti. J'ai pris des cachetons. Voilà, moi, j'ai pas honte de le dire, je le dis. J'ai pris des cachetons, parce que sans ça, je ne sortais pas de la dépression. Eh ben oui. Au moins, il est honnête. Après, il est honnête. Tu te confies à qui ? Tu te confies à qui ? À tes sables, tu vas leur dire que tu as fait une dépression ? Absolument pas. À tes frères, absolument pas. Jamais de la vie. Absolument pas. Non. Et ben voilà, donc t'es tout seul, tu rames, t'as des crises d'angoisse. Je sais pas si t'as vraiment connu la dépression, mais t'as vu, tu pleures, pour de vrai. Tu pleures. Je vais te parler un peu de ce que j'ai vécu, tu vois, moi, quand mon père il est parti, et j'étais l'aîné, ça veut dire que c'est comme si en fait sur les épaules, j'avais un poids à assumer, j'ai 3 petits frères. J'ai dit, ouais, frérot, je travaillais, je me souviens, à Planète Sushi. Ouais. Mais après, tu vois, le problème, c'est qu'à ce moment-là, franchement, j'étais une merde, j'assumais pas mon rôle, ça veut dire que derrière ça, je vois ma daronne qui souffrait du fait que mon daron qui s'est barré comme ça du jour au lendemain. Mais malgré ça, tu vois, c'était le bordel et tout, même dans sa tête, marrant, c'est ouf. Gros, on avait toujours à manger à la maison, tu vois. Moi, je sortais, je m'isolais, je fumais les vidéos. Attendez, les gars, si, alors, permettez-moi, s'il vous plaît, de réagir pour éviter qu'on se coupe la parole. Les deux, quand vous parlez, wallahi l'adim, vous êtes très intéressant et votre discours pue la sincérité. Donc, s'il vous plaît, ne vous mangez pas entre vous. Chacun parle l'un comme l'autre. Moi, j'aimerais revenir au premier frère, là. Quand il dit, je prends des cachets, déjà, il a l'honnêteté de le dire. Et en plus, il a raison à 1000%. À qui tu vas en parler ? Tu vas aller au quartier, tu vas dire, je suis dépressif. Ils vont te dire, va te faire niquer. Ils vont dire, jamais de la vie, tu peux pas. Ah non, exactement. Nos parents, tu leur dis, frérot, nos parents, tu leur dis que t'es en dépression, ils t'emmènent chez Raki, si Freddy. Ils t'emmènent chez Raki qui pendent. Exactement. Voilà. Exactement. Non, voilà, c'est vrai. Parce que justement, nous, on n'a pas été élevés avec... C'est pour ça que moi, dans mon snap, j'ai dit, alors péjorativement, mais j'ai dit, pour moi, la dépression déclarée. Attention, je parle pas de la dépression qu'on garde. La dépression déclarée, oui, salut les gars, en ce moment je suis en pleine dépression. C'est une maladie de bourgeois. Non, ça c'est... Moi je le vois comme ça. Ouais, exactement. C'est pas des gens qui cherchent à résoudre le problème, c'est des gens qui cherchent à avoir de l'attention sur leur problème en fait, tu vois. Ils ont besoin d'en parler, ils en parlent à 10 personnes et ça va pas changer leur état. Tandis que, par exemple, nous, frérot, déjà dans notre famille, au-delà de la dépression, frère, on parle de rien, tu vois. On va pas avoir les... Tout est tabou en fait chez nous, tu vois. Et quand tu vas parler à qui ? À ta mère, à une femme de la famille, à te parler de Tchour, frère, on parle pas de Tchour. Tu vas parler à ton frère, à ton poteau, il va dire, frère, c'est un espèce de bouffon, je sais pas. C'est-à-dire que tu gardes ça pour toi. Allez. Et à force d'accumuler les choses à l'intérieur, gros, c'est pas la première réaction qu'ils vont avoir là, c'est cerveler, c'est insulter de fou. Hein ? On vont dire, ouais, ça le fout. Et allez vous faire enculer, bon, du coup. Moi, mon frère, excusez-moi, moi, dans ma vie, j'ai déjà été dépressif. J'ai fait une dépression pendant une semaine, du 26, alors je vais vous dire, hein, du 26 novembre 2019. Non, c'est pas une dépression, ça, Bassem, c'est une déprime. Dis une déprime. Non, c'est pas une dépression. Attends, une laisse-moi dépression, finir, Rouya. Laisse-moi finir, je partagerai le bleu. Attends, c'était du 26 novembre au 3 décembre. Alors, 26 novembre 2019 au 3 décembre. Tu sais pourquoi ? C'était ma dernière semaine, la rate. C'était ma dernière semaine, la rate. La juge, elle avait accepté mon bracelet. Mais j'avais un téléphone, de la fume. Il me fouillait tous les jours, 2 fois par jour. S'il trouvait quoi que ce soit, mon bracelet, il pétait en l'air. Et j'en avais besoin. J'ai été en dépression pendant une semaine, la tête de mon père. Je dormais pas, je tournais en rond. Je sortais plus en promenade. On sait jamais, une pète. Tout
tous les jours. Braiki, douche. Ah, c'est bon, vous m'avez fouillé déjà. Braiki, douche. C'était là. C'était ma semaine. Tu vois où j'étais à la rate. Ouais. En pleine dépression. Ouais, mais une semaine. Tu peux pas parler de dépression, hein, Vas, avec une non, semaine. J'étais anxieux. T'as fait une grosse J'étais anxieux. C'était pas bien. Mais dépression, vraiment dépression. T'as vu, c'est quand même c'est une maladie. Elle est grave. C'est profond. C'est profond. Tu te relèves pas en une semaine. C'est pas vrai. Moi, j'ai connu. J'avais oublié aussi. Parce que j'arrivais pas à sortir. Pendant cinq ans, j'ai essayé les renouf, les cuites, la CC. J'ai tout essayé. Je suis pas arrivé à la pécoute, mais j'ai tout essayé pour m'en sortir. Et ben pareil, l'effet, une fois que l'effet de la drogue, il était estompé, je recommençais à trembler, pleurer, angoisser. J'avais envie de tuer tout le monde. Tu peux faire des dingueries. Tu peux, c'est là où tu peux attends, sortir. Attends, excuse-moi. Là, une calage, tu stop, peux. Excuse-moi. J'aimerais répondre. Excusez-moi si je suis là. J'ai la calage, je te vois, je te démonte. Je te déboîte, je te crible de balles. Tu vois, pendant cet état-là, hein. Là, maintenant, je te vois, je te fais la bise. Mais sur l'état où j'ai eu la calache, je te crible de balles, basse. Moi, tu me cribles de balles, machallah. Attends. Il y a Bruno de sa grand-mère qui me dit, il a fait 2 semaines, ça y est, dans tous les lives, il va nous raconter son séjour. Tu m'as déjà vu faire des photos à la rate? Tu m'as déjà vu? Je pouvais pas faire de photos parce qu'on me niquait toutes mes cantines. On me boulait tous les jours. Tu vois? On me boulait tous les jours et je sortais pas. Donc comment tu veux que... C'est normal, on me volait tout. On me raquettait à chaque fois. Pendant 9 mois à Villefranche, j'étais à l'isolement. À chaque fois que j'allais dans mes promenades, ils fermaient tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis une victime, frère. Va niquer de ta mère! C'est grâce à moi qu'ils ont eu 6 cordons bleus! Sale fils de... Au début, ils en avaient 2! Je participais aux réunions! Je sortais de partout! J'étais dans les concives! Demandez-leur! Sale salope! Ouais, frérot, excuse-moi! Je suis pas un gangster, j'ai jamais dit ça, moi! Mais les frères, ils avaient besoin de moi, maman! Les frères, ils avaient besoin de moi! Bassem, je sais pas lire, parler, je sais pas parler! Recentre le sujet, c'est la dépression! C'est la dépression, là, le sujet, le débat de ce soir. Recentre le sujet. Toi, t'es là pour faire le même métier. Allez, en parlant de dépression, allez, toi, t'iras te faire enculer. Frérot, toi, excuse-moi, je vais couper le frère. Ouais, donc, tu peux finir. Allez, vas-y. Ouais, non, en gros, tu vois, moi, je me suis rendu compte que j'étais rentré dans ça. Et c'est comme si, en fait, je me complaisais dans mon état, tu vois. Ça me rassurait de me dire que je suis pas bien, tu vois. Mais je savais que pour aller mieux, entre parenthèses, fallait que je fasse des efforts. Mais tu vois, j'acceptais pas ça. Et voilà, le jour où j'ai commencé à faire ces efforts-là, frérot, où je me suis donné x 2000, j'ai commencé... je travaillais en même temps, je passais le code. Après, j'ai eu le permis. J'avais besoin d'argent en plus. J'ai fait un cabi, je me suis fait suruberer. Ça veut dire que j'occupais tellement mes journées. En plus de ça, j'avais arrêté le chrono. Frérot, je me suis rendu compte que petit à petit, mon état, il s'améliorait, frère. J'ai relevé une chose intéressante. C'est quand tu as dit à maman... C'est quand tu dis à maman, mon père, il est parti, j'étais le plus grand, j'avais des responsabilités sur les épaules. Quand il est parti, tu avais quel âge? J'avais 17 ans. Miskine, 17 ans. 17 ans et 17 ans, et là, tu viens de dire que tu culpabilisais parce que tu n'avais pas réussi. Tu disais que tu es rentré en dépression parce que tu ne réussissais pas ton rôle à 17 ans, Miskine. C'est un rôle que je n'arrivais pas à assumer, toi. C'est chaud. C'est tellement dur parce que tu vois, j'ai trois frères plus jeunes que moi, tu vois. Et je me disais, frère, c'est pas... En plus, tu vois, en plus, ça, c'est ma mère, elle a souffert de ça, tu vois, du fait qu'il part du jour au lendemain. Tu connais comment. Et moi, je voyais mes petits frères, je dis, mais non, mais c'est pas. En fait, là, gros, t'es pas un homme, tu vois. Et je me flagellais moi-même tout seul dans mon coin. Ça veut dire que je me posais, je mettais mes écouteurs, j'écoutais de la musique, je descendais en bas de mon bâtiment, un bédo, 2, 3, 4 bédo, alcool. Et je rentrais dans ça et je me répétais les mêmes choses. Mais frère, tu vas pas assumer, t'assumes pas, t'es pas un homme, t'es une merde. Et tu vois, c'est aussi hein, les pensées positives, c'est important, frérot, tu vois. C'est bien de faire les choses, mais de se dire aussi que t'es capable de les faire et de se dire que tu les fais bien, ça aussi, ça t'aide à sortir de cet état dépressif, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est vrai que le fait est, mais justement, le truc, c'est que comment tu fais en pleine dépression pour reprendre goût? Tu fais comment? En pleine dépression, frère, tu reprends pas goût. Tu reprends goût quand tu commences à te rendre compte que tu fais les efforts, ils payent, et que ton état, il s'améliore. C'est
c'est là, à ce moment-là, que tu reprends goût. Parce que le goût, gros, il a, en vrai de vrai, le goût, il a l'air. Quand tu es en dépression, c'est tout le temps comme ça. C'est, les jours, ils se répètent, toujours la même chose. Tu te réveilles du khnaf de la veille. Tu sais, tu t'endors, tu as un khnaf à la bouche, il n'est pas fini, frère. Tu te lèves, tu vois, il est encore là. Tu as mal à la tête, et tu dis que ça va recommencer comme ça. Il n'y a pas de. Si tu vois pas d'amélioration, l'amélioration, voilà, moi je l'ai senti l'amélioration quand j'ai commencé à faire des efforts et quand j'ai commencé à sentir que c'était dur, frère, tu vois, les efforts, tu vois. Quand j'enchaînais deux tafs et quand ça commençait à s'arrêter, j'enchaînais deux tafs. Je t'ai dit, j'ai passé le permis tard, frère, je l'ai eu en 2020, je suis en 92. Pour moi, c'est pas normal, tu vois. C'est ça aussi, arriver à aller au bout des choses, tu vois. Avant, j'arrivais pas à aller au bout des choses. Je sais pas, je pouvais commencer un CAP, j'allais pas au bout. Je pouvais m'inscrire au code, et j'y allais pas parce que j'avais la flemme, je repoussais les choses à demain. Tandis que quand j'ai commencé à sortir de cet état-là, j'ai réussi à avoir mon permis, j'ai réussi à avoir un deuxième taf en même temps de mon taf, tu sais, j'ai réussi à mettre plus d'argent de côté, à gérer même mon budget, enfin, plein de choses comme ça, tu vois. Réussir en fait à aller au bout des choses. Alors là, gros, ça m'a fait une satisfaction de ouf. Alhamdoulilah, tu t'en sors, frère. Alhamdoulilah, frère. Franchement. Voilà. Franchement, alhamdoulilah, tu t'en sors. Ça prouve qu'on peut s'en sortir. Et en tout cas, moi, je t'applaudis, frérot, t'es un bon. Merci, frérot. T'es un bon, continue. Merci à toi. Continue comme ça. Et wallah, peut-être que d'autres, avec les responsabilités que tu avais à 17 ans. À 17 ans, tu m'as dit, tu travaillais où? À Planète? Je travaille ici. À Planète Douchy, rue Monge, dans le 5e arrondissement de Paris. Pendant qu'il y en a, ils ont 30 ans. Hein. Et leur mère, elle leur ramène encore des chaussettes du marché, bande de fils de pute. Le fait de continuer à travailler encore plus, si aujourd'hui je suis responsable administratif, j'ai pas de diplôme, mais tu sais, je m'en suis quand même donné les moyens, frère. Alhamdoulilah, c'est pas non plus, je suis pas le roi d'Angleterre, mais tu sais, j'ai réussi à accumuler des bons points, tu vois. Là aujourd'hui, frère, je suis fier de moi, tu vois. Même ça, ça fait partie C'est bien. Sois fier de l'être comme ça. En tout cas, t'es un bon. Rappelle-nous quand t'as envie, frérot. Avec plaisir, frérot. Allez, prends soin de toi. Salam alaikum, frérot. T'es un bon. Voilà, c'est un bon. C'est un bon. Voilà, ça fait chaud au cœur, les trucs comme ça. Ne bougez pas. Allô. Wallah authentique. Allô. Tu casses les couilles encore une autre fois. Je te raccroche. Ah, ça va, ça m'a pas rappelé. Attention, calme-toi. Ouais, moi, je te raconte mon vécu, moi. Non, calme-toi, frérot, parce que t'as tendance. Parce que tu as tendance à prendre la confiance, à partir en couille. Tu vas amuser la galerie. Moi, je te rappelle de bon cœur, la tête de ma mère, frère. Je te rappelle parce que tu as dit des choses pertinentes. Arrête de faire le hagoun. Viens, on parle de vraies choses. Vas-y, c'est à moi. Voilà, frérot. Mais moi, je te raconte mon vécu, moi. Je te jure, là, c'est mon vécu que je te raconte. Là. C'est ma parole. Quand t'es au fond du trou, qu'il n'y a personne à qui tu peux te confier, à qui tu peux parler, je te jure, t'es mal. Tu cherches. Frérot, qu'est-ce qui t'a emmené au fond du trou? Plus proche. C'est une meuf. Tout ça, je te dis. En fait, moi, j'étais, comme tu dis, c'était. Je courais après les femmes, je baisais à droite, à gauche, voilà, j'en ai rien à foutre, je dis, tu vois, c'est un vécu, voilà, je me fier au pire, j'en ai rien à foutre, j'ai baisé, voilà, surtout putain, je buvais, je sors en boîte, je sors en arrêt, tu vois. Frérot, on t'entend en saccadé, est-ce que tu peux bouger un peu, s'il te plaît? Vas-y, attends, je vais bouger un peu, ouais, je te disais, c'est tout ça, sors de l'hôpital, frère, sors. C'est... T'auras meilleur. Ouais, mais quand tu atterris, moi, je t'ai dit, hein, j'étais pris les antidépresseurs. Hein. J'étais pris. Hein. Et c'était, il y a que ça hein, qui m'a fait sortir un peu la tête de l'eau. Et dès que j'ai sorti un peu la tête de l'eau, j'ai arrêté cette merde. Et là, aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, frérot, tu as fait des séjours à l'hôpital, Franjo? Non. Pourtant, tu vois, moi, je suis allé chez le médecin. Le médecin, il m'a dit, tu vas à l'hôpital. On va te faire une thérapie, je sais pas quoi. D'accord.
Allô, frérot, on a un deuxième frère avec nous. Mais voilà. Ouais, allô, Bassem, tu vas bien? Ouais, mais ça va, et toi, donc un deuxième. Attends, frérot, je demande. Pourquoi c'est quelle chambre? Ils sont pas encore soignés, Bat. Ramène-les quand ils sont soignés. Là, ils sont encore dépressifs. Ah, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit quoi quand je t'ai appelé? On rigole. Je t'ai dit quoi? Il y a le pouce up. C'est bon, voilà, tranquille, Franjo. Le second, frérot, alors toi, tu nous appelles aussi par rapport à ça. Sois la bienvenue. Tu as quel âge? Tu nous appelles d'où? Merci, Bassem. Moi, je suis de Dessine et j'ai 20 ans. 20 ans. Alors, explique-nous, il se passe quoi? Tu as affaire à la dépression, frérot? Alors, moi, en fait, tu vois, j'ai grandi dans un quartier. J'étais un peu le seul blanc. Et en gros, j'ai eu du mal à trouver ma place. J'ai essayé, tu vois, en gros, j'ai eu mon daron qui était assez violent avec moi. Surtout, il m'a détruit, en fait, tu vois, ma confiance en moi. Ouais. Du coup, tu vois, il me parlait, il me rabaissait toute mon enfance. Du coup, à 12 ans, j'ai arrêté de le voir. Je me suis retrouvé seul avec ma mère. Et en gros, j'ai eu pas mal de problèmes dû à ça. J'ai du mal à m'ouvrir aux autres. Je suis tout seul, tu vois, là, ça fait facile 5-6 ans que je vois personne, je suis tout seul, isolé, j'ai arrêté le travail. Désolé, mais ça t'empêche pas d'appeler à la radio. Alors, toi, frérot, t'es rentré en dépression, pourquoi? Parce que t'étais exclu? T'es rentré en dépression parce que tu pouvais pas jurer Wallah? Non, même pas, frère Bassem, ouais. Je crois que je suis comme ça, moi, je jure pas un dieu qui n'est pas le mien. Moi, je suis chrétien catholique, je respecte votre religion, mais tu vois, je suis pas le genre de gars qui va jurer comme Mesdames ça. Et messieurs, c'était un test, on applaudit Mathis. C'est un bon Mathis. Attends Mathis, quand tu dis dessine, c'est où? Sully? Dessine? Non, c'est pas Sully. Avant, en fait, j'ai grandi dans un quartier à mes yeux, maintenant je suis dans une propriété privée. Privée, d'accord. Je suis tranquille, tu vois. Après Mathis, j'ai envie de te dire une chose, frérot. À 20 ans, ouais. Le plus bel âge, comment on peut être dépressif, frère? Wallah. Après, c'est vrai, ton père, il t'a enlevé ta confiance, il a été violent avec toi. Donc toi, tu as des raisons pour l'être, en vrai. Mais quand tu vois des faux dépressifs à côté de toi, c'est pas un truc de fou? Bah moi, je vois beaucoup de gens qui disent qu'ils sont dépressifs, mais qui connaissent rien du tout à ça. Tu vois, moi, j'ai mis beaucoup de temps à réussir à parler, à m'ouvrir aux autres. J'ai vu beaucoup de psychologues, psychiatres. Déjà à mes 12 ans, tu vois. Moi, j'ai une question, Baptiste. Ça y est, t'es soigné là maintenant de la dépression ou pas? Non, bah là, je commence à aller. Et si t'es soigné, comment t'as fait pour qu'on soit... Ça fait deux mois, là, t'es dedans? Non, ça fait 2 mois, je suis. Et là, tu prends des cachets, tu prends des antidépresseurs? Je prends déjà, j'ai pris 5 antidépresseurs différents en une année. Tu vois, ça marchait jamais. L'hôpital qui se fout de la charité. Des régulateurs d'humeur. 5 antidépresseurs dans une année. T'as pris quoi? Effexor, des Roxate, c'est quoi? Je me rappelle même plus de ça. Mais là, maintenant, je suis régulateur d'humeur et ça marche mieux parce que, tu vois, j'avais pas mal de soucis, des crises de nerfs, tout ça. Et maintenant, ça va un petit peu mieux, tu vois. Mais je commence à m'en sortir, tu vois, je fais du sport. Et t'es allé voir les psychologues et ils disaient quoi, les psychologues? Retourne dans ton enfance, si t'as pas reçu quelque part un jour. Ils m'ont dit que j'avais des problèmes, en gros, j'avais une dépression, des problèmes psychiques, en gros. Et que, en gros, j'avais des problèmes de confiance. Ouais, mais ça vient d'où? Frère Mathis, attends, frérot, s'il te plaît. Frère Mathis, ils t'ont diagnostiqué comment? Qui t'a dit d'aller consulter? C'est dû à quoi? Un jour, t'as fait une crise, c'est parti en couille? En fait, tu vois, tout jeune déjà, vers les 13-14 ans, j'avais des problèmes à aller au collège. J'allais plus en cours, j'avais déjà des problèmes de... j'allais plus du tout en cours. Et donc, ils m'ont envoyé dans un institut où il y avait des gens comme moi, des gens qui n'allaient pas à l'école, qui avaient du mal, tout ça. Et là-bas, j'ai parlé à beaucoup de psychiatres. Voilà, ils ont diagnostiqué que j'avais des problèmes, tu sais... Dû à mon père, j'avais du mal et tout. Et en gros, c'est ça qui m'a un peu détruit, tu vois. Maintenant, je reprends confiance, mais je suis tout seul, en fait. Et c'est assez dur, tu vois. Je fais beaucoup de sport pour essayer de me refaire un corps bien, pour avoir confiance déjà sur ce niveau, tu vois. Mais après, j'ai du mal à parler déjà, je parle à personne. Ouais, tranquille, frère, ici, tu es anonyme. Il y en a un qui m'a laissé un message en me disant... Quand
tu es en dépression, chaque jour est une pierre que tu rajoutes à ton sac. Et si tu vides pas ton sac, frérot, il sera trop lourd. Tu seras écrasé sous son propre poids. C'est sûr, mais tu vois, moi, ça, j'ai beaucoup de mal. C'est une belle image, ça. Moi, j'ai beaucoup de mal à... Moi, je te conseille, frère, sors-y vite. Sors-y vite, prends ce qu'il faut, sors la tête de l'eau rapidement et ressaisis-toi, ressaisis-toi, fais du sport, va voir, trouve une femme. Je sais pas, trouve une femme... Et à qui tu vas parler. Et à qui frère tu vas authentique. Parler. Non, frère avec authentique. Qui il va parler. Il faut qu'il parle, il faut qu'il vide son sac. Moi, je te dis, j'ai mis 5 piges. 5 piges, j'ai vécu dedans. Et j'étais dedans, d'accord, vraiment dedans. D'accord, je peux en placer une, frère authentique. T'as vu, dans tous les conseils qu'on donne, on a oublié le premier, le vrai de vrai. Revenir dans le dîne, dans la religion. C'est la meilleure thérapie, c'est moi, je pense. C'est la meilleure thérapie. C'est sûr, quoi. C'est sûr, ouais. L'autre, c'est sûr, il me dit, c'est vrai, c'est vrai. Ça donne de l'amour. Ouais, c'est à toi, ouais. Ouais. Mais c'est à toi, parce que t'as l'amour de Dieu. Et quand t'es tout seul, franchement, c'est vraiment une aide. Parce que tu te dis que tout ça, c'est des épreuves, tu vois. Tu te dis que c'est des épreuves que tu dois avancer. Ouais. Vous voir alors, les non, frérots, j'ai une question à vous poser pour les deux. Tu termines à faire des rokhia. Tu fais des rokhia à droite, à gauche, rokhia par-ci, rokhia par-là. Non, le dîn, frère authentique, dans le sens où le dîn, frérot, c'est reprendre la prière. C'est... bref, moi j'ai une question à vous poser, les frères. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui sont dépressifs, mais ils ne le savent pas? Ouais, c'est possible, les médecins, j'aurais jamais su que c'était... Il y a des dépressifs, et tu les reconnais, tu sais quoi, tu les reconnais à quoi? Ils font pas attention à eux, t'as vu, ils sont mal, ils sapent mal, ils se coupent pas les cheveux, ils laissent un peu la barbe, ils sont négligés, voilà, ils sont négligés. D'accord, toi tu penses, alors... Rabat-joie. Ils sont rabat-joie, tu vois ce que je veux dire, ils sont rabat-joie, t'es là, t'es dans le délire, t'es bien, t'as une bonne ambiance, il vient, il casse l'ambiance, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il est mal, donc, et donc il va venir casser l'ambiance pour que... Donc, excuse-moi. En gros, les dépressifs, faut les fuir comme la peste. Faut les fuir comme la peste, les dépressifs. En parlant de fuir comme la peste, je t'ai averti, frérot. En parlant de fuir comme la peste, wallah, je t'ai averti. Je t'ai averti, je vais te raccrocher. Mais tu casses les couilles. Tu peux nous laisser en placer une. Laisse-moi juste parler tranquillement, regarde. Oh, j'ai passé 5 ans dans le trou. Moi, tu me voyais pas rigoler comme ça. Et maintenant, je rigole. Et toi, tu préfères que je sois dépressif, en vrai. Toi, tu veux... Toi, t'appelles les gens, t'aimes bien les dépressifs, non, en vrai, toi. Non, parce que toi, attends. Mais je rigole, parce que toi... Laisse-moi rigoler un peu. Oh, J'ai passé 5 ans à pleurer, laisse-moi rigoler la un peu. La vie de ma mère, tu vas passer encore une pige à pleurer. Oh, le frère, il est là. Oh, frérot, alors toi, tu t'es guéri en nous rendant dépressifs. Ça m'a allé. Toi, tu guéris en nous rendant dépressifs. Reste tranquille, Franjo. Attends, tranquille. Ce que tu dis, ce qui est intéressant, parce que, authentique, toi, t'es un pélo, tu fais coller. Mais il y a des choses où tu dis vrai, parce que tu transpires la réalité. Wallah l'alim. Mais je trouve que t'es pas soigné encore. Mais c'est physique. C'est vrai que le premier signe de la dépression peut être physique. On se néglige. Oui, c'est vrai. Mais attends, tiens, ça... je peux parler au pot. Laisse-moi juste parler. Hein, ici, juste laisse-moi la placer, celle-ci. Physiquement, il faut comprendre ce qui se passe dans le cerveau. Dans le cerveau, la communication... Attends, frère dépressif. Laisse-moi parler, s'il te plaît, ici. Dans le cerveau, il faut comprendre ce qui se passe. T'es. Les neurones, comment ils communiquent entre eux? C'est de nature chimique. Il y a des neurotransmetteurs qui communiquent. Pour communiquer d'un neurone à l'autre, c'est des neurotransmetteurs qui passent d'un neurone à l'autre. C'est la sérotonine. La noradrénaline, voilà, il y en a plein comme ça, je ne les connais pas tous, mais la sérotonine, noradrénaline. Un dépressif, qu'est-ce qui se passe dans son cerveau? Tous ces neurotransmetteurs, il ne les sécrète plus. En fait, quand tu fumes un pétard, quand tu fumes le tamien, le THC, il va aller occuper tous les récepteurs, tous ces récepteurs-là des neurones. Et donc, du coup, les neurotransmetteurs, sérotonine, ils n'arrivent plus à aller occuper ces récepteurs. Et donc, du coup, au bout d'un moment, ton cerveau, il ne les sécrète plus. Il dit, ouais, moi, je fabrique de la sérotonine, mais elle ne va pas à destination. Donc, il ne les fabrique plus, ton cerveau. Et c'est là que la dépression, elle est causée. Et là, du coup, tu sécrètes plus ces neurotransmetteurs. Et là, t'es dépressif. Voilà ce qui se passe vraiment biologiquement. Biologiquement et physiologiquement. Pardon. Non, voilà. C'est intéressant. C'est intéressant. Voilà. Alors, frérot authentique. Ben oui, frère authentique, toi, tu as quel âge? Tu m'as dit que tu as 36 ans, c'est ça? Moi, j'ai... Non, j'ai 42 piges.
42. Ah ouais, tu es de ma génération. D'accord, tu as mon âge. Ma génération, moi j'ai connu, voilà, j'ai connu les voiles, j'ai connu le cercle, j'ai connu la fin. Ah mais t'es de Lyon ? Tous ces délires-là. Hein. Ah, on va pas dire, tu vois, parce que voilà, je peux vite être opéré, c'est pas... Ouais, bah voilà. Commence pas à me dire, Bassem, tu connais pas la rue. Dans les alentours. Dans les alentours, d'accord, bon, ok, dans très bien. Dans les alentours. C'est intéressant. Donc toi, t'as 42 ans. Le frère qui nous appelle, il en a 20, je crois. Hein. Le frère qui nous appelle, là, il en a 20. Alors, qu'est-ce que tu conseillerais au petit frère dépressif, frérot ? Moi, ce que je conseille, si c'est vraiment une dépression, hein, si c'est vraiment une dépression, il faut vite qu'il sorte de la dépression. Parce que plus tu vas passer du temps dans cet état, et plus tu vas mettre du temps à ressortir, tu vois. En fait, tu t'enfonces, et après, il faut remonter la pente, tu vois. Et plus tu as passé de temps à t'enfoncer, plus tu vas passer de temps pour la remonter. Donc, sors vite de cette... Quitte à prendre des antidépresseurs, écoute pas les autres qui vont dire « Ouais !» Authentique. Non, écoute pas les gens qui vont dire écoute Baptiste, écoute pas les rebeux de la Tesla qui vont dire prends pas les authentique Zabi. Authentique. J'ai senti en toi un petit accent de la vallée du Gier. Ça sent Saint-Chamond, rive de Gier, on n'est pas loin là, hein, avec ton accent. Hein, ouais, on a senti, on n'est pas loin du 42. Wallahi, merci beaucoup. Les deux frères, wallahi, merci beaucoup. Parce que vous parlez de choses où c'est tabou dans nos quartiers. Où on n'a pas le droit d'en parler. Comme Authentique. Non, tranquille. Comme Authentique, il l'a dit. Et il l'a dit avec son cœur, malgré qu'il casse les couilles. C'est quelqu'un, Authentique, qui casse les couilles. Mais on est attaché à lui, wallah. Parce que le mec, il a dit, tu peux pas en parler à ta mère. Tu peux pas en parler à tes frères. Tu peux pas en parler à tes potes. C'est chaud. Wallahi, c'est chaud. C'est chaud. Ouais, bien sûr. Rien que pour ça, je vous dis la vérité. Rien que pour ça, vous... Mets les applaudissements, là. Appuie sur le bouton. Tiens, Authentique, allez. Voilà, Authentique. Tiens, mon frère. Ah, il est content. Enfoiré, va. Authentique, t'es un ami. Aujourd'hui, Authentique, est-ce que tu prends des médicaments encore ? Eh ben, entre nous, frérot. Non, je mets de la vie, c'est tout naturel aujourd'hui. Alhamdoulilah. Tout naturel. Alhamdoulilah. Toi, le mec de 20 ans, est-ce que tu te soignes ? Moi ? Le frère de 20 ans, ouais. Est-ce que tu prends des médicaments ? Ouais, je prends des régulateurs d'humeur. Je connaissais régulateurs de vitesse, la vie de ma mère. Ah, régulateurs d'humeur, c'est parce que, si tu veux, j'ai des... Rien peut m'énerver, tu vois. C'est pas bien quand tu dis. La tête de mon père, Smani, frère. Wallah, je connaissais pas. Régulateur d'humeur, la vie de ma mère, je connaissais pas. Ça veut dire, là, je rigole. Je reste comme ça pendant une heure en régulateur. Non, c'est bizarre. C'est vrai que c'est bizarre. Wallah, je ne savais pas. Alors, frère, tu ingurgites ça comment ? Tu bois ? Tu sais comment ? Non, c'est des cachets normaux, tu vois. J'en prends deux. Et en gros, depuis un mois ou deux, là, ils font que m'augmenter parce que je leur dis que voilà, j'ai des idées, tu vois ce que je veux dire. T'as des idées noires ? Je suis tout seul. Tu vois, après, je regarde, t'as vu, si je peux donner un conseil, pour regarder les routes de l'impossible, ça m'enlève toutes les idées noires et j'arrête de... Les routes de l'impossible ? Regardez quoi ? La base. Mais je regarde tout. Regardez quoi ? Hier, j'étais sur le Bangladesh, la vie de ma mère, je regardais les camions au Bangladesh. Hier, avant de dormir, au frère, je suis un fanatique absolu. Absolu, j'ai regardé la Guinée-Conakry et j'ai regardé après le Bangladesh. Petit frère de 20 ans, où est-ce que tu habites, toi ? Je suis décime, moi. Tu mérites qu'on passe te voir, toi, la tête de ma mère. Ah, frère, moi, je sais, tu avais parlé d'un projet où tu voulais que ta communauté, elle se voit ensemble, mais si tu peux l'ouvrir à d'autres communautés, ça fait plaisir. Mais tu fais partie de notre communauté. La communauté TH, c'est pas que des robeux, frérot, hein. C'est des Renois. Non, il y a Maghrébin et il y a TH. Ma communauté, c'est la communauté maghrébine. Mais dans la communauté TH, personne, elle est ouverte à tout le monde. Pourquoi j'ai mis un drapeau français, là ? Je suis français, frérot. Je suis de la même communauté que toi, moi. Je vous respecte. Même moi, je vous respecte. C'est pas... Je suis la même communauté que toi. T'es de ma communauté, mon frère. Rejoins le Discord, alors. Regarde, frérot. Pour tous ceux qui veulent être bien, je vais vous présenter un truc. Alors, regarde. Je vais faire un double écran. Fais voir.
Et je peux pas le faire, lâche. Attends, fais voir. Pause générique, non, arrive. Je voulais. On peut pas transférer le. Alors, je voulais vous montrer. Bon, on peut pas transférer. On réglera le Stream Deck demain. Rejoignez Discord. Discord, je vais te le Ouais, montrer. Alors, attends. Il m'a dit quoi, le frérot? Répète, frérot. Chape à sur Discord. OBS, le bouton. Le bouton OBS, ouais, j'ai regardé, frérot, il n'y est pas. Image 3, musique et Skype. Il n'y est pas, Franjo, il n'y est pas. Il n'y est pas. Il n'y est pas. On va vous Recentre le présenter sujet à la base. le Discord. Wallahi l'adhim. Moi, le premier, j'étais pas au courant de ce qui se passait. Oh, frérot, j'y étais pendant 1 heure en vrai pète sa mère. Les frères, ils ont fait un truc de fou. Il y a des salons privés que pour les femmes, qui parlent entre elles. Il y a de la muscu, il y a de la TH Dog, il y a la voiture. Là où il y a bac 1, bac 2, ça doit être en écran. Bac 1, bac 2, un taux. Non, frérot, je l'ai pas. Wallahi, je l'ai pas. C'est pas grave, on regardera en roudouin, Franjo. On le fera bien. Le Discord, il bute sa mère. Tu vas dans Discord, frérot. T'es avec toute la communauté, t'es connecté au quotidien. Demain, on va le présenter à la radio, on va faire un truc bien. Vous inquiétez pas. Il y a les aides aux devoirs, il y a tout. Il y a des professeurs dedans. Les yeux de ma mère. Y a! Allez voir! Tu vois, rien que pour ça, Allez tu vois, voir ça lire le Discord! truc que Il tu y a fais, même c'est une bon, c'est chambre de faire. dépressif. Allez voir Discord! Vous allez voir. Allez voir Discord! Non, non, alors allez voir. Nightbot, Aishik, tu peux le mettre en room? Il va le mettre en room, le robot là. Il va le mettre en room. Alors, moi, je découvre Discord, la rasade. Moi, j'étais pas au courant! Discord, le frérot Pocho, il m'a dit, bah, c'est M-Chap. J'ai regardé, la vie de teuteux, il y a des voitures, des chiens, des bécanes. Pète sa mère! Pète sa mère! On va appuyer sur le Discord. Le Discord, vous allez tous là-bas. Tout le monde y jacque comme à la radio. Frérot, tout le monde se voit. Petite dessine. Inch'Allah, on aimerait bien te voir un petit peu. On passera Un en bécane jour. avec les frères. Inch'Allah, avec plaisir. Frère authentique, merci pour ton Je passerai te voir, authenticité. Baptiste, Marah je Bébik. passerai te voir aussi, hein, Disney. Marah Bébik, frérot, sois D'accord, le eh ben bienvenu. oui. Il n'y a Mais que toi, ceux qui me Baptiste, cherchent tu sur Internet qui vois, n'arrivent ben pas à me ouais, trouver. Voilà, frérot. Ouais, ben, non. Mais si je viens, fais pas le tunard, tu payes quand même, t'as vu? Parce T'inquiète, frérot, je que, te mets voilà, bien. Tu m'as pris pour un fais pas le enculé ou tunard, quoi? tu, voilà, Et dis ouais, pas tunard paye, parce que t'es, la tête de ma voilà. mère. Arrête de dire fais pas le tunard. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Non, mais On a le cœur sur la bon, main, nous. tunard, ouais, mais Arrête de attends, dire fais le tunard. oh, Va te faire écoute, enculer. bah, je connais la vie bien mieux que toi. Oh, écoute, Tu moi, j'ai connais sorti avec des Zappi? tunards en Parle pas boîte des et tout ça, Tunisiens mais comme le ça. problème, On t'as n'est vu, ils pas sont des gentils et tout, pinces. mais jamais ils ont mis la bouteille. Ils ont C'est jamais pas mis la vrai. bouteille Tu en boîte, mens. gros. La vie de ma mère, tu mens. Parce qu'on va pas en boîte. Tu mens. Les Tunisiens, on a le cœur sur la Non, main. en boîte, non. Moi, j'ai pas envie de faire des clichés sur des Algériens ou sur les Marocains. Non, j'ai pas envie de dire que même Hulk, il était Algérien. T'es Non, Pinocchio. J'ai pas envie de parler comme mais ça. C'est mes c'est des frères. pinces Je quand parle pas même. devant les gens, C'est moi. des pinces. Voilà. Voilà. C'est des Donc, pinces ou pas? Non, mais Wallah, c'est pas des pinces. Wallah, c'est on n'est des pas des pinces quand même, pinces. les Est-ce Tunisiens. que moi, je suis une pince? Ouais. Est-ce que moi, je suis une Je pince? sais pas, je te connais pas, toi. Je vais Moi, je suis voir, une pince, Disney. Je moi. vais te voir. Il Voilà, va va demander aux falloir gens. payer. Moi, je suis une pince. Ah, Je sais pas, frérot. je te connais pas. Frérot, écoute-moi bien. Là où t'habites, dans n'importe quelle ville, là où t'habites, tu choisis un snack. Tu vas là-bas. J'appelle le snack, Selem, les frères, Sébastien, il n'y a pas moyen, tu fais haja. Wallah, Haqrabi, ils le feront. Chez toi, je te montre que tu manges blèche. Alors que toi, tu khalas, alors arrête de me prendre pour une pince. On n'est pas des pinces, Franjo. Wallah, on n'est pas des pinces, frérot. Jamais de la Non, vie. ça va. Ouais, Jamais de la ok. vie. Jamais. En tout cas, frère de dessine, Ça frère authentique, on vous applaudit sur la tête de ma mère. va. Je Vous trouve que applaudissez. ça Voilà, franchement, vous êtes des il n'y a bons. pas ça, tu vois. Vous êtes des bons, les frères. Frère de dessine de 20 ans. Avec toi, je suis très sérieux. Encore authentique, il n'y a pas de souci. Il va venir me voir, on va manger un bout, on va rouler un chnouf. Bien. Toi, le petit, va sur Discord. Va voir, il n'y a que les gens de ta Ok. génération là-bas aussi. Connecte-toi à eux, parle un peu avec eux. Tu verras comment ça pète sa Ok. mère là-bas. Glissez tous là-bas. Voilà, les frérots. Pas de Merci soucis. beaucoup. Merci beaucoup. Wallah, c'est des bons. Franchement, c'est touchant. C'est touchant, les gens. Alors, attends. Un festival. Alors, attends. Paye ton chnouf, tiens! 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 Tiens!
Tiens, 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 Blav. Tiens, tiens. Bon, on va rappeler le frérot. Caméra déconnectée, merde. Merde. Ouais. Ouais. Voilà, voilà, à cause des gens. T'as vu les gens quand ils te font coller? Voilà, les gens qui te font coller. Alors, attends. Voilà, c'est les gens qui te font tout niquer, frérot. Voilà, Haroun. Wallah, Haroun, c'est les gens. Au lieu de me dire, Bassem, y a pas moyen un bout. Tiens, y a des feuilles, des clopes, y a à boire. On a du Milky Way. Venez, on vous a jamais rien dit. Vous, non, oh, vas-y. Jamais y en a, il est venu, il m'a dit, Bassem, tiens, prends Arnoub, mange Haja. Non, non, rien du tout. Après, vous dites que les Tunisiens, c'est des chars. Allez, c'est bon. Attends. T-shirt basic fit, peau de serpent, al dente. Wallah, je l'ai pas. Wallah, je l'ai pas. Bon, c'est pas grave. Il y en a un, il est tombé en dépression. Attends, attends, il faut que je tombe sur lui, là, attends. Allô? Oui, allô, salam alaikum. Alaikum salam. Oui, c'est pour passer à la radio. Bien sûr, tu es à la radio, je t'écoute. De quoi tu veux nous parler, frérot? Sur la dépression? Ouais, totalement, frère. Allez, envoie la sauce. Bien sûr. Oh, ok. Regarde, frère, moi, je vais te parler franchement. T'as vu, j'ai écouté un petit peu ce qu'ils disaient les franjo. Regarde, moi, j'ai 34 ans, d'accord? Moi j'ai 34 ans et ça m'est... Attends, ça frérot, m'est frérot, frérot, sans te manquer de respect, laisse-moi juste, je me fais couler un petit café, je suis obligé de me lever, je te manque de respect, frérot, si non, je me lève et je me fais un caf. Voilà, je tiens à te prévenir, frère. Bah allez, vas-y, va te le faire, je t'attends et on reprend. On reprend, précise qu'on reprend la radio, parce que on dirait que tu vas me prendre sur la machine, un café, Zabi. Attends. C'est un expresso, au fait. Voilà, mon Franjo. Vas-y, je t'écoute. Voilà, Bassem. T'as vu ce qu'ils ont dit tout à l'heure, les frérots? Malheureusement, c'est un très, très, très gros problème. Regarde, moi, je suis passé par une dépression. En fait, par, on va dire, deux mini-dépressions. La première dépression, c'est à un moment, j'ai tout perdu. Mais c'est-à-dire que tu ne t'en rends pas compte. Tu ne te rends pas compte, c'est ça le vice dedans. C'est que tu ne te rends compte de rien du tout. Frérot, tu es rentré en dépression parce que tu as tout perdu. Donc, c'est le matériel totalement qui t'a rendu fou. C'est intéressant. C'est pas le Wallah, ce que tu dis là, non, j'ai pas dit que tu avais dit ça, mais ce que tu dis, c'est vrai, on n'a pas parlé avec Frère Authentique et Frère de Dessine, on n'a pas parlé de ce côté-là que le matériel peut nous rendre fous et dépressifs. Totalement, totalement. C'est vrai, c'est vrai. Tu peux perdre le matériel, ton emploi, ton entourage. Moi, j'ai vraiment, à un moment, tout perdu. C'est-à-dire j'avais des bons emplois, j'avais ce qu'il fallait. Et du jour au lendemain, tu perds tout. Mais quand tu perds tout, c'est pas tu te dis là, t'as vu, je vais essayer de me relever et puis c'est tout. Non, c'est que tu rentres dans une dépression et personne te le dit. Et les gens, la seule chose qu'ils te disent, c'est t'es aigri aujourd'hui, t'es mal luné, tu passes au quartier, on dit qu'est-ce qui t'arrive. Mais il y a personne qui vient te voir et qui te dit oh, qu'est-ce qui se passe là. Là, je vois que en plus, je sais que t'as tout perdu. Qu'est-ce qui se passe? T'as raison, t'as wallahi, t'as raison. Les gens, ils te font la remarque, t'as raison.
T'as raison. C'est ça le problème. Et un jour, regarde, et après, alhamdoulilah, t'as vu, j'ai su me relever. Au bout de quelques temps, j'ai su me relever, j'ai pris sur moi, etc. C'était dur. Après, alhamdoulilah, j'ai connu un peu, etc. Je me suis accroché à ça. Et ça a repris. Et ben, dis-toi, je vais te dire autre chose. Un jour, j'ai pratiquement, je vais pas dire, on va pas faire les anciens, mais j'ai eu plus de ce que j'avais déjà perdu. D'accord? Beaucoup plus, même. Tu as eu plus de ce que tu avais perdu? Totalement. Totalement, Bassem. D'accord. Totalement. Et voilà que tellement ça, c'est pas notre vie. T'as vu, ça, c'est pas notre vie de tout avoir, de etc. Je suis rentré dans une dépression. C'est quoi rentrer dans une dépression, frérot? T'as plus de goût pour rien. Regarde, j'étais aux États-Unis, je me souviens quand c'est arrivé. J'étais aux États-Unis et j'avais plus le goût. J'avais perdu ce goût-là. Je voulais plus voyager. Je voulais rentrer. Je voulais strictement rien faire. C'est-à-dire la veille, regarde comment ça s'est passé. La veille, j'étais en soirée. Je suis rentré le lendemain. J'ai fait, ouais. Il y avait mes habs, ils m'ont dit, on va faire ça. J'ai dit non, j'ai déjà fait. Bonjour, non, j'ai vous êtes sur la messagerie du 0. Putain, excuse-moi mon pote, voilà, je vais essayer. Frérot, j'ai voulu enlever un appel. Putain, j'ai fait n'importe quoi. Je me rappelle plus de son numéro, frère, là. Je t'ai montré comment... Voilà, et justement, je l'ai fait. Et je l'ai fait, j'ai mis les trois petits points, enlevé de l'appel, et ça me l'a mis sur messagerie. Putain, mon Franjo. Je vais essayer de te trouver, toi, attends. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Ça va ou pas, Bassem? Et toi? Alhamdoulilah. Dis-moi. Moi, je voulais parler de la dépression, là, comme c'est le sujet du soir. Ouais. Moi, voilà, moi, j'ai 19 ans. Je suis de Valence. Et tu vois, c'est un beau sujet, là, ce que tu dis. Pourquoi? Parce que c'est vrai, wallah, on n'en parle pas assez. Surtout ma génération, les maudits 2000. T'es à 19 ans, t'habites à Valence? Ouais. T'es de Fombard, t'es de la ZUB, d'où? Je suis de Fombarlette. D'accord. C'est grave. Il y a trois jeunes qui nous ont appelés 18, 17, non, 18, 20 ans et toi 19 ans. C'est chaud. Aussi Wallah, jeune, frère. On est en dépression, c'est chaud. Wallah, c'est chaud. Allah. Parce que moi, si tu veux, je regarde beaucoup tes stories. Et wallah, hein, plus je regarde tes stories, plus je vois la réalité du monde. Tu vois ce que je veux dire? Je vois mes sahabs, ils sont sur TikTok. Je vois des gadjis, elles font des trucs de fou. La hijbette, là, du resto. Wallah, moi, je vire. T'as vu ça? Ça me met mal, propre parce que je me dis, en fait, tous mes sahabs... Et la hijbette qui fait le mur à 4h30 du matin avec un vieux sac à main de merde. Elle se met sur TikTok, ouais. Elle saute de chez elle à 4h30. Les hijbettes du lycée, tu sais qu'on est all-star avec les grosses semelles. Tu vois, c'est... Non, mais déjà, en tout cas, t'es pas dépressif, toi. Tu vois peut-être la réalité, peut-être. Écoute, moi, je vais pas dire dépressif, tu sais, parce que j'écoute le live, je vais pas dire dépressif. Mais il y a des moments où, wallah, je suis pas bien. Et t'as D'accord. vu, quand je suis pas bien, pareil, tu sais, j'ai pas le goût des choses. Je suis pas bien, je fais quoi? Je sors. Je prends la vague gauche, je sors. Et t'as vu, je m'encule la santé. Je me dis, nique Zabi, je vais tout m'enculer. Je me tape garrot sur garrot. T'as vu, moi, je redemme sur le chantier. T'as vu, je suis électricien. Ouais. T'as fait, moi, j'enchaîne les garrots, sa grand-mère. Je me dis, nique sa mère, tout. Et t'as vu, je fais trop le con. Et puis, alhamdoulilah, après, t'as vu, au bout d'un moment, ça passe. Tu vois ce que je veux dire? Et les sahabi m'appellent, ouais, tu sors, nan. Et plus tu sors en vrai... Plus ça va mieux, moi j'ai remarqué, tu vois. Les gens, ils... Mais toi, on peut pas dire, Rouya, on peut pas dire que c'est de la dépression. Là, on parle de dépression, Rouya. Toi, c'est plus des mini-crises, hein, en vrai, non? Crise d'angoisse ou... Est-ce que tu prends des médicaments? Non. Tu prends pas de médoc? Je prends pas de médoc. Qu'est-ce qui se passe? Elle t'a refoulé? C'est pour ça que tu te dis que t'es en dépression, frérot, HM? Non, tout va bien pour toi. De comme ça, mon frère, pas des trucs de guerre. Là, je te donne l'exemple. La dernière fois que ça m'arrivait, moi, je suis corse algérien.
ma grand-mère de Corse. Ma grand-mère de Corse. Elle est venue là, elle vient pendant deux semaines. Comment on dit de l'or ? Alors attends, excuse-moi, voilà. Il y a hein le... Oui frérot, que j'ai raccroché avec toi, est-ce que t'es là ? Ouais, ouais, je suis là, ouais. Alors excuse-moi, ça a raccroché, donc il y a Andy Delors avec nous. Non, il y a un autre frère avec nous qui nous parle de dépression. Alors, je veux juste laisser finir le frère avec qui j'étais. Après le second frère, toi tu reprendras. Allez, vas-y frérot. Tu parles à Delors, là. Delors, c'est moi Delors. Ouais, ouais. Ouais, t'as eu ma grand-mère de Corse, elle est venue, et par Allah, je vais pas la voir. Elle va chez mon padre, et moi, je vais jamais la voir, t'as eu ? Des trucs comme ça, wallah, ça me rend mal. Tu vois ce que je veux dire ? Je vais pas appeler ça une dépression. Mais bien sûr que ça te rend mal, il faut que t'y ailles. C'est ta grand-mère, mais tu es fou ou quoi, toi ? T'es fou ? Wallahi, je sais, frère. Mon frère, c'est la mère à ta mère, c'est la mère à ton père, c'est ta grand-mère. Obligé, tu vas la voir, normalement, c'est toi qui vas en Corse. Moi, je dirais les grands-parents avant même les parents, si tu veux savoir. Wallahi l'azim, les grands-parents avant les parents. Ouais, c'est vrai. Alors, alors attends, excuse-moi, frérot, le frérot corse, alors reste avec nous. Je veux rebondir avec le second frère. Où est-ce que tu t'es arrêté ? Excuse-moi, hein, je t'ai coupé. On s'est arrêté. Moi, j'ai une question à te poser, frère. Aujourd'hui, j'ai l'impression, avec la féminisation de la société et de l'homme, on féminise l'homme, on le féminise tellement que par le biais du rap, par le biais de la mode, oui. La preuve, PNL, ils ont laissé plein d'enfants avec des cheveux longs. j'ai envie de te dire, frérot, est-ce que tu penses, toi, que le fait est d'avoir féminisé les hommes... Les hommes ont plus de facilité à parler de dépression. Moi, je fais partie d'une génération où ce mot-là était interdit, n'existait pas. Nous, ça n'existait pas. Moi, je pense vraiment, c'est tout avec ça. Peut-être un peu la musique parce que ça parle d'amour, de trucs comme ça, pour ceux qui sont dans la dépression comme ça. Mais on va dire, les générations en dessous de nous, ils vont plus facilement te parler de dépression parce que toute la journée, ils regardent des cadavres sur Snap ou autre. Et qui raconte, moi ça va pas aujourd'hui. Donc il libère la parole. T'as compris ou pas ? À travers ce qui regarde. Rappelez-moi ce que t'as dit, c'est hyper intéressant. La tête de ma mère. Rappelez-moi si moi, une fois dans mes snaps de ma vie, depuis 2015, est-ce que vous m'avez déjà entendu dire aujourd'hui je vais pas bien, aujourd'hui ça pète la forme ? Non, parce que moi, quand je parle de Snap, quand je fais des stories sur Snap, je parle d'un contexte, je parle d'un vrai sujet. Tous ceux que vous sucez, vous tirez des pipes, ils vous racontent leur vie. Eux-mêmes, ils vous rendent dépressif. Le frère, il a raison. Wallah, il a raison, le frère. Mais bien sûr, toi, tu parles de thème. Ça veut dire qu'on ne sait même pas si ça va, si ça va pas. Toi, tu as un sujet dans ta tête, bam, tu le déroules et khlas. Voilà. Tu dis pas, tiens, aujourd'hui, je suis parti ça, et puis ça, et j'ai fait ça, et j'ai vu ça, et ma mère, si, ça, tu gardes pour toi, frère. Mais malheureusement, les gens adorent savoir comment tu vas ou tu vas pas. Parce que le malheur des uns fait toujours le bonheur des autres. Je te jure que c'est vrai. Mais bien sûr, frère, et bien sûr, c'est ça le problème. Regarde, ce que t'as dit, t'as entièrement raison. Mais dans le bien comme dans le mal. C'est-à-dire, des fois, t'as vu, nous, les haram, on fait pas trop la part des choses sur les trucs comme ça. Ça veut dire qu'au lieu de... C'est vrai, on doit pas faire comme les autres, on parlait à 15 personnes, mais on parlait à une personne. Un vrai sahab. On a qui un. Quel vrai sahab, frérot ? Frérot, moi, je vais t'expliquer une chose. Je pense que... Alors, quand je dis « je vais t'expliquer une chose », les frères, c'est pas vaniteux quand je dis ça. J'ai pas la science infuse quand je dis ça, c'est une façon de parler. Moi, je pense, comme pour une meuf, Tu peux pas dire tes peurs, tes ressentis, ton mal-être à une femme, avec qui t'es. Tu vas être moins crédible. Tout va s'effriter. À partir du moment où la femme te prend en pitié dans ses bras, t'es un homme mort. Tu n'es plus un homme. C'est comme si qu'elle ramenait sa première paye. C'est la même réaction. Quand une femme, elle ramène sa première paye à la maison, ou quand elle
t'ouvre ses bras en te disant « Confie-toi à moi, écoute-la pas, c'est une sorcière !» Confiez-vous pas à vos femmes. Faites attention, les frères. Mélangez pas les choses. Ta femme, tu la respectes, voilà, tu la rends heureuse, mais ne lui confie pas tout. Attention, il y a certaines salopes qui se servent de ça. Faites gaffe, les mecs. Totalement. Faites gaffe. Et pourquoi t'as des mecs, c'est connu, des types au quartier, on sait très bien qu'ils vont voir des escortes pour parler avec eux. Tu le connais, ça? Tu le sais? Juste pour parler. Tu le sais qu'il y en a, ça existe. Non mais les gars, je suis pas d'accord avec vous quand vous me dites. Excuse-moi frérot, je vais répondre à un commentaire. Non, c'est pas vrai Bassem, les femmes sont là pour ça aussi. Mais on sait, mais on vous donne pas. On sait que vous êtes là pour nous. On sait que wallah, vous allez pas nous juger. Mais moi je fais partie de ces gens où tu me verras pas pleurer. J'irai jamais te voir. Encore moins voir un ami. Parce que aller te confier, c'est se fragiliser. N'oubliez jamais cette phrase. Se confier, bien sûr, tu dis tout à ta femme. Aïe, je me suis fait péter par les decks. Aïe, j'ai un problème là-bas. Mais de lui dire, ça va pas dans ma tête, je me sens faible. Jamais ta vie. C'est notre génération, ça. Ça, c'est notre jamais génération, ça. Ça, on dit rien. Ça, c'est notre génération. La seule femme à qui tu peux te confier, c'est à ta propre mère. Ouais, mais le problème, c'est quoi aussi? Le problème, c'est que tu vas la rendre tellement triste que tu vas t'en vouloir. Aussi. Wallahi, c'est vrai. Parce que tu sais qu'elle va pas dormir. Une vraie youm, hein, on parle entre toi et moi, une vraie mère. Elle va pas dormir, frère. Ne serait-ce que tu lui dis, je suis pas. Une vraie youm, ne serait-ce que tu lui dis, je suis pas bien. Wallah, même si tu habites tout seul, elle est devant ta porte à te ramener de la kessara, frère. Et tu le sais, Bassem. C'est vrai. Wallah, c'est vrai. Et il y a certains frères. Certains frères qui voulaient pas le dire à leurs parents pour éviter d'inquiéter les parents. Mais totalement, Bassem, on dit rien à nos parents, alhamdoulilah, ça va. Même si ça va pas, ça va, tu sais très bien. Tu vas leur dire, tu sais très bien, surtout nos vrais youms, Bassem, elles vont pas dormir. Elles vont pas dormir, frère, c'est pour ça que c'est très compliqué. Mais Bassem, par contre, il y a une chose aussi. Voilà, je sais pas si tu l'as vécu ou pas, mais tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas le comprendre. Et moi, je le comprenais pas avant, j'arrivais pas à le comprendre. Impossible, frère. Je me disais, mais pourquoi il est en dépression, l'autre? Mais pourquoi si? Le jour où ça m'arrivait, voilà, que j'ai vu ce que c'était, j'ai dit, ah ouais, c'est la pire des sensations. C'est... Surtout quand tu t'en rends compte. Quand tu t'en rends pas compte, mahlèche. Là, tu vas, il va s'allumer un petit truc. Là, tu vas aller en soirée. Là, tu vas compenser dans ça. Tu vois, on compense toujours dans quelque chose. Ouais. Mais quand tu t'en rends compte, que tu es face à toi-même, tu te dis, ah ouais, starfarallah, qu'est-ce qui m'arrive? Waouh, comment je vais m'en sortir? T'as raison, frère. Wallahi, c'est poignant. J'aimerais te poser une question. Comment t'as su, psychiquement et physiquement, que t'étais en dépression? En fait, moi, j'insiste dessus. C'est quoi? C'est que tu te réveilles le matin et tu te dis « je suis en dépression ». Non, c'est que tu... déjà, t'arrives très, très, très peu à dormir. Mais vraiment très peu. C'est que tu penses à tout. Tu te dis… Voilà, c'est vrai. Hein. À un moment, j'ai arrivé. Pourquoi je suis sur cette terre? Peut-être que je suis pas fait pour être un peu sur cette terre. Après, tu dis non. Comment je pense comme ça? Après, tu essayes de. Voilà, c'est vrai. Tu compenses dans tout. Ça veut dire qu'à un moment, quand j'ai vraiment vu que j'étais mal, je me suis dit, khlas, alhamdoulilah, t'as vu, je suis pas moche. Je me suis dit, je vais aller voir Demra. J'ai des hasek Demra. Et à côté d'eux, je me disais, mais putain, ça passe pas. Ouais, ça passe pas, je suis pas dedans, frère. J'ai envie de savoir, tu es pressé de rentrer chez toi, t'es pressé de t'enfermer. Voilà, c'est vrai, t'as envie de voir personne parce que tu te dis, non, je peux pas, il y en a qui vont le voir. Admettons, à un moment, j'allais plus voir ma famille, je prétextais le travail, mais parce que j'avais peur qu'ils le voient. Parce que à partir du moment où moi je m'en rendais compte, c'était interdit que les autres s'en rendent compte. Et quand on me disait, ouais, j'étais pas bien aujourd'hui, non, j'ai pas trop dormi, j'étais un peu malade cette nuit. Ouais, tu connais, ouais, j'avais un peu de fièvre cette nuit. Alors, t'avais rien, frère. Putain, c'est chaud. Wallah, c'est. Wallah, c'est très dangereux. Wallah, c'est pour compliqué. Ça, avant, je comprenais Wallah. Pas. Maintenant, wallah, j'ai toujours dit, depuis que je suis passé par ces passes-là, j'ai dit, ya Rabbi, préserve-moi-en. Je peux pas dire, tu moi, je ferai. Tu moi, t'en es sorti comment, mon frérot? Parce que là, tu m'as l'air d'aller mieux, alhamdoulilah. Largement. Ça n'a plus rien à voir, alhamdoulilah. Ça y est, tu vois, j'ai passé. Alors, on a Kenza. Alors, on a Kenza. Mm-hmm. On a Kenza, Saïda qui nous dit
Il y a Kenza qui nous dit, chacun comment il vit sa dépression. Certains trouvent plus le sommeil, puis d'autres dorment énormément. Certains ne se lavent plus, ne mangent plus, et puis d'autres grossissent sans arrêt. C'est vrai, elle a raison. Ah ouais. Il y a, c'est Aïda qui nous dit, quand on est bipolaire... Non, toi, t'es une beurette, je vais même pas lire son commentaire. Hein, je lis pas son commentaire, en tout cas, je vais la virer. Allez, voilà. C'est Aïda, tu me parles de bipolaire. C'est comme si Kenza, elle m'aurait dit « Kouchi Bilmektoub ». Allez, virer. Allez, hop, allez, hop. Allez, masquer l'utilisateur, dégage. Voilà, excuse-moi. Ouais, c'est vrai. Wallahi, c'est... C'est ça, le problème. Tu sais quoi, c'est compliqué. Moi, comment je me suis sorti, regarde, moi, je vais te dire, moi. Moi, j'ai commencé. Déjà, je me suis rendu compte. Ça, c'était la première des choses. Je me suis dit, non, comment je suis devenu, c'est pas possible. Mais après, il y a le fait entre te le dire et le faire. C'est comme Wahid, il veut arrêter la galo. Entre se dire, ouais, c'est pas bien, faut que j'arrête, ça me tue la santé, le cardio, etc. et le faire. Donc, tu as un laps de temps. Donc, moi, entre le moment où je me suis rendu compte et le moment où j'ai fait les causes pour aller mieux, il s'est passé quelques mois. Jusqu'au jour où, voilà, c'est vrai. Et c'est là où tu vois que le mental, il joue trop. Jusqu'au jour où je me suis regardé, je me suis dit, putain, t'as vu ce que t'es devenu. Alhamdoulilah, t'as fait au moins 30 pays dans ta vie. T'as vu ce que tu deviens et pour rien. Qu'est-ce qui t'arrive? Voilà. Est-ce que... Non, Saïda, je rigole avec toi, Saïda. Wallahi l'adim. Je rigole avec toi, Saïda. On va dire à Naïbo de te remettre. C'était pour rire, Saïda. Wallahi l'adim. J'ai envie... Alors là, c'est une vraie question aussi. Est-ce que, quand on consulte, est-ce qu'on nous pousse vers les médocs dans la facilité? Est-ce que le système médical français te pousse? Moi, je vais te dire. Voilà. Moi, je vais te dire. Moi, j'ai consulté un jour comme ça. Je me suis dit, tiens, je vais consulter. J'ai pris mon PC tout seul à la maison. J'avais la hache moi d'aller voir quelqu'un. Tu vois, parce que je regardais un peu. Je me suis dit, tiens, je vais parler. Voilà que quand j'ai parlé avec une psychologue, elle m'a dit, au début c'était un peu dur de parler, après j'ai dit, khlas, c'était une arbea. Je me suis dit, khlas, considère-le comme tu l'as jamais vu, comme tu sais pas à qui tu parles. Complètement, considère-le comme ça. Dis-toi, pour arbea, c'est peut-être pas ça. J'ai parlé avec elle, etc. Et je lui ai dit, est-ce que je dois prendre des trucs pour aller mieux? Mais elle m'a dit comme ça, elle m'a dit, monsieur, déjà, ça dépend des personnes. Mais elle me dit, vous, pas du tout. Elle me dit, vous, ce que vous êtes en train de vivre là, elle m'a dit, vous aurez été peut-être marié avec des enfants, etc. Peut-être vous ne serez jamais passé par cette étape-là. Là, vous êtes à une étape où vous n'avez pas besoin de tout ça. Moi, j'ai un problème. Alors aujourd'hui, là, le frère, même le second frère qui est avec nous, beaucoup de gens veulent interagir. Hein, mais moi, j'ai un problème avec ça. Tu sais pourquoi? Parce que dans ma vie, je te jure devant Dieu, dans ma vie, j'ai connu des gens qui adoraient être et faire des délires dépressifs. Il y en a, ils adorent faire les dépressifs. Ça fait partie de leur vie. Ils aiment bien. Ouais. Ils aiment bien que les gens, comme il a dit le second... Alors, c'est comme il a dit le premier frère qui nous a appelé au début. Il y en a, ils ont besoin émotionnellement qu'on va vers eux. Donc, ils s'inventent des vies de dépressifs. Écoute-moi bien. Il y en a même qui prennent en otage sentimentalement leur copine ou leur copain. Si tu te barres, je vais me niquer. Ben, nique-toi, j'ai rien à foutre, moi. Ces gens-là, ils me font penser à ceux qui t'envoient un message sur Snap. Je suis dans ta ville. Ben, visite-la et ferme ta gueule. J'ai envie de dire, je sais pas pourquoi. C'est pareil, moi, j'ai l'impression que c'est devenu swag. La dépression, on respecte pas les vrais dépressifs. Mais Bassem, je crois que c'est devenu swag sur la tête de ma mère. À cause de quoi, frérot, regarde. Tu remarques bien les personnes dont toi tu parles là, exactement. Ces personnes-là, quand tu regardes quand ils étaient plus jeunes, ils étaient très proches avec leur père, avec leur mère. Nous, on n'a pas eu ce côté-là. Donc, on n'a pas eu ce côté affectif. Donc, on n'en a jamais demandé. Donc, même la dépression, elle ne nous a pas pensé à ça. Nous, on n'a pas grandi. Nous, on a parlé à Belek Omagdo. J'ai été une fois dans ma vie avec lui. T'as compris? Belek, je ne suis même pas sûr. C'est même pas pour rentrer dans le mensonge. Moi, je n'ai pas ce côté-là affectif, etc. Parce que plus jeune, je ne l'ai pas eu. C'est vrai, frère. Wallahi, c'est vrai. Wallahi, il a raison, frère. On ne l'a pas eu. C'est vrai. C'est pour ça que même quand on va être avec une mara, quand Wahid, il va me dire avec une mara, etc., il va me dire pourquoi tu veux te mettre avec cette mara? Je ne vais jamais lui parler de l'affection. Frère, j'en ai pas eu quand on était petit. J'en demande pas. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'elle tienne bien la maison.
Voilà, l'amour est stratégique. Après. La tête de ma mère, l'amour est une stratégie. Avant les sentiments, on a les stratégies, on a les contrats. Exactement. Avant les sentiments. Les sentiments, ils viendront quand tout sera réglé à la maison. C'est simple et net. Exactement, tu sais très bien comment ça marche, Bassem. Bien sûr, il n'y a pas nous c'est regarde, je vais te mettre un exemple, même pour donner à la room. C'est un accord entre deux personnes, un couple. C'est comme acheter une voiture. Il y a le vendeur et il y a l'acheteur. Les deux se mettent d'accord. L'autre, il se met sur le prix de vente, l'autre, il se met sur la qualité de la voiture. Et ben là, c'est la même. Agir vite fait au psychologue. Ouais. Moi, personnellement, moi, j'avais consulté trois psychologues, étant plus jeune, mes parents. Moi, j'en ai consulté un. Moi, j'ai consulté un psy, la tête de ma mère. J'ai vu un psy. J'ai vu un psy. Tu sais, quand j'étais à la rate, j'ai vu un psy. Mm-hmm. Tu sais, pour prendre des RPS, mm-hmm. pour sortir en coursive. Ouais, HLM. Tu sais, mm-hmm. pour traîner mm-hmm. dans les coursives. On allait voir un psy. Mm-hmm. C'était bon, ça. Tu sais, mmh. devant la Jap, elle regardait, vous voyez un psychologue ? Oui, pour mon addiction aux réseaux sociaux. Putain, on est mal payé, mais qu'est-ce qu'on se fend la poire en deux ? Ouais, frérot, excuse-moi, je t'ai arrêté. Bassem, la vérité, une fois dans ta vie, ou failli. Parce que tu vois, je regarde un peu tes snaps, etc. Des fois, tu racontes un petit peu, mais vite fait. J'étais dans le noir. J'ai broyé du noir. Sauf que je me suis vite remis en place dans le sens où, pied sur terre, en train de regarder ce qui me manquait, il ne me manquait absolument rien. Alors moi, je fais partie de ce genre de personnes. Tu sais, quand, hamdoulilah, sans me... J'ai des fois cette capacité des fois à voir loin. Donc, pour des choses de merde, je ne vais pas voir loin. Tu sais, pour des trucs de merde. Tu sais, pour des trucs de merde. Genre, tu montres ton téléphone, tu vois, à ta copine, et en même temps, il y a une vache, elle t'envoie un message, elle t'envoie son poule. Voilà. Tu sais, tu prends pas le temps de te mettre en avion. J'ai la capacité de voir loin sur autre chose. Donc, moi, je crois à la loi des séries. Donc, quand j'ai du pain noir à manger, j'aime bien le manger. Et qu'on en finisse. J'ai été dans le noir, oui, pendant 2-3 jours, pendant un jour. De toi et moi, et dis-le à la room, c'est pas une sensation de ouf. C'est n'inquiète hein, quand t'es dans le noir. Frère, par Allah, frère, wallah, j'étais dans le noir, sens figuré, sens propre. Allongé, en train de regarder le mur. On dirait que j'étais dans le noir. Dans le noir, c'est-à-dire, pas dans le noir en dépression. Un jour, j'ai mangé la moitié d'une pizza. Pourquoi ? Parce que dans ma tête, ça n'allait pas dans le sens où j'ai fait des erreurs que je... Bête. Moi qui donne des leçons, je me suis fait avoir. Moi qui donne des leçons. C'est chaud, hein ? Fallait tout refaire. C'est chaud, Bassem. La tête de ma mère. La tête de ma mère, frérot. C'est chaud. Et moi, je te comprends ce que tu dis. Je te comprends. Regarde, t'as vu, t'es plus vieux que moi. Je suis plus jeune que toi. T'as un vécu. Moi aussi, j'ai un vécu. Moi, j'ai emprunté un parcours. Toi, t'en as emprunté un autre. Mais on va se rejoindre sur des choses comme ça. Parce que je sais de quoi tu parles. Alors, attends, bouge pas. Alors, frérot, excuse-moi, le second frère, là, le premier frère, tu voulais rajouter une chose ? Ouais, juste pour les psychologues. Moi, j'en avais vu trois. Et personnellement, moi, ça n'est pas servi à grand-chose. On a passé une heure, des deux heures. On se matait dans les yeux, on ne parlait pas. Voilà. J'avais plus rien à dire et lui, il ne savait pas quoi dire. Après, la volonté, frérot, il faut que tu l'aies toi-même. Hein. C'est pas un psychologue de te faire parler. Un psychologue, il est là pour t'écouter, frère. Il n'est pas là pour te faire parler. Oublie-le jamais, ça. Il est là pour t'écouter. Ça, je le dis à tous les gens de la room. Les gens, ils ne sont pas là pour vous assister. Les gens, ils sont là pour vous écouter. Oui, mais un psychologue, il te pousse à parler. Tu vois ce que je veux dire ? Non. Ça fait du bien de parler, les frères. De quoi ? Bon, vous voulez que je vous dise la vérité ? Ben moi, mon psychologue à moi, ma thérapie, la tête de ma grand-mère, que c'est la radio. Et c'est vous. Et c'est la room. Parce que quand je vais pas bien
et vous ne le savez pas, le fait est de parler avec vous, de planer avec vous, Wallahi l'adim, pour moi, ma radio a été mon antidépresseur. Je te jure que c'est vrai. Bien sûr. Mais moi, je te crois, Bassem, parce que voilà, ce que tu dis, c'est quelqu'un qui va trouver merci sa passion dans quelque chose, ça va lui faire... Il va Non, mais les gars, arrêtez de balnave. Là, je vous parle en vrai. Bassem Terna, la tête de ma mère, je vous parle en vrai. Vous savez très bien, tous ceux qui viennent à la radio, on dirait qu'ils sont là depuis des années avec nous, parce que c'est la radio. Wallahi, vous m'avez aidé sur plein de choses. Oh, les trolls, les trolls et les salopes, wallahi, ils m'ont aidé à être meilleur. Ils ont refait mes dents, ils ont... Wallah, ils m'ont aidé à moins poussillonner. Ils m'ont aidé à plein de choses, je te jure que c'est vrai. Ah, je te jure que c'est vrai. Bassem. Moi, c'est la radio, il y en a qui... Vas-y, frère. Moi, j'ai une question. Est-ce que le Tamien, ça t'aide là-dedans aussi? Je peux pas faire de la pub pour ça. Chacun réagit avec le Tamien comme il peut. Sauf que moi, j'ai qu'une chose à te dire. J'ai qu'une chose à te dire. Quand je fume Air Needs, je vais sur YouTube et je mets Louis XVI. En fait, moi, ça me concentre sur des choses. Je fais plus... Donc, il faut pas fumer. Il faut pas fumer. Il faut arrêter de fumer. Wallah, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Il faut arrêter de fumer, les frères. Surtout que dans la dépression, surtout que dans mes idées noires, enfin, dans mes moments noirs à moi... Quand je fumais des Hnouf, tu deviens encore plus parano. Parce que moi, c'était comme Lucie. Quand je fumais un Hnouf, dans ma période noire, quand je fumais un Hnouf, les cellules, elles s'ouvraient. Et j'imaginais des scénarios de malade mental. Et je rentrais dans une paranoïa. Aïe ! Non, c'est un truc de fou. Ah, bref, en tout cas... Je conseille à tout le monde, même à tous les frères. Wafik Baraka, les frères. Merci les deux, vous êtes des bons. Vous voyez quelqu'un, vous moquez pas, les frères. Faut jamais se moquer. Dites à Allah et surtout, vous moquez et pas surtout, ça peut tous et surtout aussi, tous les frères qui sont dépressifs, faut leur donner un conseil. Allez parler à un inconnu. Ne parlez jamais à votre entourage, à vos familles et à surtout vos femmes de vos dépressions. Faites bien attention, les frères. C'est s'affaiblir, c'est friter. Faites gaffe à ça. Merci les gars, vous êtes des bons. Merci les gars, vous êtes des bons. Alors écoutez-moi bien, simple, clair et net, là on va mettre tout le monde d'accord. Alors attends. Parce que vous êtes des magiciens. Vous me cassez les couilles sans les toucher. Alors là, alors attends, si au moins vous les touchez. Bon, attends. Voilà, je vais appeler le Franjo, vous allez voir avec lui. Ouais, frérot. Franjo, wallahi, j'ai tout inventé. J'ai inventé que tu t'es fait prendre en otage, qu'un hélicoptère il t'a enlevé, que t'as refait ta vie au Mexique. Rahemimtik. Dis aux gens pourquoi il n'y a pas les rodifs. Il n'y a pas de rodifs parce que vous allez voir pourquoi à la pause. Et on était sur 2-3 projets pour la radio qui va bientôt arriver là. Avec les ateliers, tout ça. Alors explique-nous, s'il te plaît, Franjo, dis-nous pourquoi une rediffusion, c'est dur à faire. Parce que je bouffe la feuille, je mets des musiques non copyright. C'est pas tu bouffes la feuille, on peut pas t'interdire de mettre des musiques, frère. Avec l'audience qu'on a, on est obligé de mettre des musiques. Mais le problème, c'est que quand on modifie une vidéo sur YouTube, directement depuis le tableau de bord, ça prend déjà 12 heures. Et ensuite, on doit faire les mini-clips, on doit faire les TikTok. Voilà, on a trois derniers temps pour faciliter la tâche les prochains jours. Donc là, c'était la dernière fois qu'il allait y avoir des retards sur les rediffusions. Voilà. C'est Pochon en direct, pour ceux qui me demandent. Ouais, c'est bien lui, chef de l'équipe technique. Voilà, bon, c'était pour les gens, pour qu'ils savent. Pour que les gens qu'ils arrêtent de nous péter des burnes. C'est la dernière fois qu'il y a des retards. Par contre, il va y avoir le zapping flip. Donc on va passer... Frérot, regarde ton écran si ça bug. Ouais, ça bug, putain, t'en bouge pas. Attends. Ça va, ça a repris. Ça a repris tout doucement. Vas-y, c'est toi qui me dis. Attends. Paye Internet. Wallahi, c'est pas une question de web. Vous êtes tellement... On n'a pas la puissance pour... Je te jure que c'est vrai. C'est toute la ville qui est comme ça. C'est bon, ça marche. Appuyez sur F5. Tu me donnes le top. Hein. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon, ça marche. Là. Ça marche, là, bien.
Non, parce que moi, j'ai encore le truc jaune, là. La putain de Samans. Non. Attends, bouge pas. Fais-toi vivement la fibre, oh là. Mais la fibre, ils vont la mettre en 2030, ces enfants de catin. Oh là, ils me foutent la mort. Attends, on va voir si c'est revenu. C'est bon, les gars, ou pas? Attends. Ouais, c'est bon, c'est revenu, là. C'est revenu? Attends, moi, je suis encore en jaune, là. Je suis saccadé. Moi, c'est revenu, là. Fais voir si ça revient. Ouais, c'est bon, c'est revenu, frérot. Voilà, moi, je l'ai pas. Attends. Ah, si, c'est, bon, c'est bon, c'est revenu? C'est bon, vous êtes là, les gens? C'est bave ou c'est pas bave? C'est bave, on m'entend avant? On m'entend, c'est bon pour Jean? Ouais, nickel, nickel. Alors, c'est pour ça qu'il fallait attendre. Déjà, frérot, il faut que je tiens déjà à remercier Léo, Nassim, Agathe, toute l'équipe des modérateurs. Wallah, il a dit magnifique, ouais, très bon. Très bon. Wallah, la vie, vous êtes des bons. Je vous connais pas personnellement. C'est plus Pocho qui vous connaît. Moi, je vous connais pas. Voilà, je vous connais pas personnellement. Wallah, alors, parle-nous du zapping, Halib. Ah, là, ce qui va arriver, frérot. Voilà ce qui va arriver. Zapping, Halib, ça va être du lourd. Ragez pas. Ça va être du très, très, très lourd. Et je vais pas en dire plus, Bassem, mais ça sera la semaine prochaine, Inch'Allah. Dis rien, mon Franjo. Dis rien, mon frérot. On va faire découvrir directement. C'est bave. Dis rien, frérot. Hamdoulay, en tout cas, merci. En fait, c'était pour leur expliquer pourquoi ça met du temps à mettre une rediffusion. Voilà, c'était pour leur expliquer ça. Les réseaux, ils explosent de partout, mon frérot. TikTok, Instagram, Twitter, voilà, ça explose de partout. Bah, je savais pas que j'avais un TikTok. Voilà, j'étais pas au courant. Ah, voilà, mon frérot, t'es en train de tout casser là-bas. J'étais pas au courant. Je vois qu'il y a la crasse, elle reprend mes vidéos, mais voilà, j'étais pas au courant. On est en train de leur faire peur là-bas. Faut que je fasse un live en leur disant on va venir ici, on va tout arracher. Je crois que j'ai envie de leur dire oh, toc toc, vous connaissez la horde? Je vais réanimer la horde sur TikTok, la tête de ma mère. Dès qu'il y a une crasse, elle va faire un live, on va envoyer la horde. Mais le problème, c'est que j'ai peur que la horde, il y a des gros suceurs. Ils s'abonnent assez meufs finalement, on leur fait de la pub et tout. À voir. Dans les commentaires des meufs, de la crasse des fonds de cul, il n'y a que des @bassem. Voilà, je sais pas pourquoi ils disent mon nom. Bref, j'ai rien demandé. En tout cas, écoute, merci beaucoup. On vous applaudit pour ce que vous faites. Vous êtes des bons. Wallah, la vie. Wallah, certes, à toi, à ton équipe. Rabbi Hakoum, mes frères. Wallah, vous êtes des bons. Vous êtes des bons. Fais voir ce que ça donne. Fais voir. Fais voir, je découvre en même temps que vous. Wallah.
tonight we're gonna lose control. Emotions are on overload. Can't you see I got what you need? I just want a baby. Wallah, excellent. Alors, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Il faut, Walter, il faut qu'il marche. Il faut qu'on ait une autre vue du bar. Il faut qu'on mette aussi une petite musique de rail aussi. Parce qu'on est maghrébin, il ne faut pas l'oublier. Mais Wallah, est terrible. Ça, c'est de la ziquette. Ça, c'est du travail. Sarkoum. Attends, vous allez voir. Vous allez voir le générique qui arrive. Le générique, je vais mettre 3 mois à le faire. Vous allez coller l'embrayage. Vous allez voir. Bref. Ça, c'est du bon, mais franchement, c'est du lourd. Merci à tout le monde. Mani42, merci à Nassim, aux frérots qui sont toujours là, toujours au pays. Oh, ouais, on va remettre le minuteur aussi, bien sûr. C'était un essai. Pocho, travail de la NASA, avec son équipe. Voilà. Voilà. Non. Alors, attends. Peut-être qu'il y a des gens que j'ai pas pu appeler. Alors ça fait réagir, hein. Mon téléphone il a fondu, Yézer. It's on a free night. Moi, je vais vous dire, j'aimais quoi comme musique?
dans toutes les pauses, il y en a une que j'aimais bien, c'était... C'était une musique qu'il avait mis pour show, une instrumentale de West Coast. Toum, toum, toum. Vous vous rappelez ? Toum, toum, toum. Ça pète. Il y avait celle-là, il y avait la fameuse « He was a free, rich and tight. » Il y avait celle-là, et il y avait « Je n'ai pas confiance en toi. » Voilà, ouais. Il y avait la funk japonaise aussi. Aussi. « Nano miki no karsi. » Na 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 si ta de do. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. Y'a pas de tonton, je t'envoie pas les titres, vous allez sur Discord. Attends. Ah, fin japonaise. Non, je suis pas. Wallahi, je suis pas. Merde. Excuse-moi, je vais rappeler, excuse-moi. Je suis pas un fan de la funk japonaise. J'écoutais un titre ou deux, c'est tout. Sinon, on les aurait pas fait écouter. Allô ? Allô ? Bon, oula. Bonsoir. Bonsoir. Putain. Tu nous appelles d'où ? Oh, on a le plus gars. Mais là, c'est pas... Devinatier ? Ah, ok. Donc, toi, tu voulais parler de quoi avec nous ? Ah, c'est à moi et pas à moi. Aoudou billah, on dirait un genoun. Wallah, astaghfirullah, je viens d'appeler un genoun. Allô ? Allô, salam alaikum, Bassel. Alaikum salam, frérot. Je peux parler de n'importe quel sujet ou sur le sujet d'aujourd'hui? Tu veux nous parler de quoi, frérot? C'est le sujet d'aujourd'hui, là. La dépression? Ouais. Bah, j'ai parlé un petit peu, après je vais raccrocher. Bon, c'est pas trop mon sujet que je voulais parler, mais c'est pas grave. Tu voulais parler de quoi, frérot? En fait, je voulais parler, moi, un sujet intéressant, c'est concernant la situation des... Moi, je suis quelqu'un, en fait, qui voyage et qui travaille à travers le monde. Et en fait, par rapport à la situation des Maghrébins, par exemple, des Algériens, des Marocains, qui vivent, par exemple, dans d'autres pays d'Europe, sur la Hollande, l'Amérique, etc. Et la différence, en fait, sociale, avec nous, ici, c'est un fossé énorme, en fait. Tu vois, c'est quelque chose vraiment... C'est intéressant. C'est vraiment... Enfin, voilà, je voulais pas la dépression. Y a... Non, mais c'est très bien. Parce que, mine de rien... Non, mais c'est très bien, parce que mine de rien, il y a matière à dépression, quoi. Donc, oui, alors, les French arabiques, alors, t'as vu comment c'est de la merde? Tu vas en Hollande, ils sont tous en place. Tu vas en Belgique, ils sont bien. Tu sais que le maire de Rotterdam, c'est un Marocain. Tu sais que le maire de Londres, c'est un musulman pakistanais. Il s'appelle Sadiq Khan, sa femme, elle porte le voile. Le maire de Londres, toi, tu te rends compte. Le maire de Rotterdam... Ouais, mais ils sont étranges. Ils sont bizarres. Ouais, ils sont strans. c'est quand... Alors, dis-moi, comment est-ce que tu expliques ça? Moi, je l'explique parce que, au niveau de la... Moi, ouais. Je vais te dire un truc pour moi. En premier lieu, il y a déjà la France. Déjà, la France, l'erreur qu'elle a faite, parce que j'ai eu une prof, moi, d'anglais, une anglaise, qui n'est jamais venue en France. Elle a vu la situation des banlieues en France, en fait. Et comment ils ont parqué tous les étrangers. Ils sont sortis à Marseille. Là, je viens de voir là, un règlement de compte là, sur un groupe Telegram. Le mec, il sort une Kalashnikov en pleine rue et il tire sur quelqu'un. C'est un truc de dingue. Franchement, on se croirait à Chicago. C'est juste fou, quoi. Et... Là où tu as raison, c'est que dans les autres pays, en Hollande, par exemple, ils ne tirent pas dessus. Les Maghrébins, ils ne tirent pas dessus. Wallah, ils ne tirent pas dessus. J'ai vécu, pour te dire, j'ai vécu en Nouvelle-Zélande, j'ai vécu en Australie, dans les pays du Nord, Norvège, Suède, j'ai fréquenté des Finlandais, Suédois, etc. Je suis allé dans les pays baltes. Tu sais, pour te montrer, moi, c'est comme ça m'a ouvert les yeux. Tout à l'heure, on parlait de dépression, mais je dirais à ceux qui ont des problèmes un peu mentaux, prenez votre sac à dos, vous avez la chance d'avoir un passeport français. Vous pouvez demander des visas, à, je ne sais pas, dans combien de pays du monde, du Japon, du Chili, je ne sais pas. Prenez votre sac à dos. Le allez, passeport français est le deuxième au monde, hein. Tu sais qu'au Brésil, il y a des millionnaires français. Tu sais ça? Tu sais que Phuket, au Thaïlande, 15% de la population parle français. Faut juste en fait... Frère, wallahi l'adhim. Il y a un mec qui s'appelle Gilles.
il habitait à Marignane, à Marseille. Il est parti voir son pote aux États-Unis. Et son pote, il avait, écoute bien, son pote, il avait un magasin de vélo, de compétition. Et à côté, il avait une petite réserve. Pour rigoler, un jour, il a fait un gâteau à son pote et il y avait des clients. Et tu sais, les Américains, ils sont cons. Parce que lui, il est boulanger, pâtissier de base. Il a fait un gâteau. Il en a donné aux clients, les clients, ils ont collé. Quand je te dis, ils ont collé, le lendemain, il y avait la queue devant son magasin. Le mec, il ouvre, il croyait que c'était les clients pour le vélo. Les Américains lui demandaient, la boulangerie, elle est où? Le mec, il a dit, mais quelle boulangerie? Vrai, ben, hier, vous nous avez... Attends, bouge pas! Il lui a donné sa réserve, il a ouvert une boulangerie, il s'est fait des couilles en or. Il vendait des baguettes, des couilles en or. T'as raison, on veut pas entreprendre, on voyage pas. Regarde, on... je donne un exemple. Regarde, moi, je suis parti. Je suis allé une semaine en Finlande, allant à Helsinki. Je pars à Helsinki. Je rentre dans le métro, dans le tramway d'Helsinki, de la petite voilée, elle paye son ticket de train, elle paye son bus, elle est assise, elle parle pas. Ici, il y a un Marseillais, il m'a dit, même à Paris, moi je suis de Paris. Paris, Marseille, il y en a, ils payent même pas le ticket de bus. Il y a une ligne de bus chez moi, ils se faisaient caillasser, on les braquait. Moi, c'est ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Pourquoi alors un Marocain ou un Noir ou un Asiatique qui vit en Suède, en Finlande, en Hollande, ou en Australie, aux États-Unis, à Boston, je sais pas, il rentre, il paye le ticket, tu payes. Tu rentres dans le bus, tu payes, mon frère. Le chauffeur, il te regarde, il dit « Hello, hello », tu dis « Voilà, tu payes, le ticket, c'est ça, tu payes, tu t'assois. » Pourquoi ici, c'est on dirait que c'est pas des sauvages, mais j'inclus même les Français avec nous, hein. Je inclus même les Blancs. Alors, si je peux me permettre… Des détournements de fonds… Attends, frérot, tranquille. Si je peux me permettre, alors, je vais essayer d'apporter mon équation. Je pense que… Il ne faut pas se cacher derrière ça, parce que... Mais on va dire que c'est peut-être... Vous allez me dire ce que la Rome, ce que vous en pensez. C'est peut-être aussi une raison ancienne. Je pense que c'est la relation de la colonisation de la France avec ses colonies. L'Angleterre n'appliquait pas la même politique dans la colonisation. Il n'y a pas eu de guerre... Il n'y a pas eu de colonie britannique qui s'est révoltée contre la couronne. Mais il y a eu les Algériens qui se sont révoltés contre les Français. J'ai envie de te dire que peut-être que ce sentiment-là, peut-être avec cette relation ambiguë mais fraternelle qu'on a avec la France, fait que aujourd'hui nos jeunes sont plus énervés. Il y a peut-être ce paramètre. Le deuxième paramètre aussi, c'est qu'on est beaucoup moins, on est beaucoup plus en France que dans les autres pays. On est beaucoup plus en France. Écoute, j'ai vécu un an, moi, dans la côte est australienne. J'avais mes impôts, je payais mes impôts, j'avais un numéro fiscal, un compte en banque, etc. Je suis en Nouvelle-Zélande. Là-bas, les Libanais, il y a les chrétiens et les musulmans. Ils sont solidaires entre eux. Mais quand je dis ils sont solidaires. Comme toi, tu parles, les Maghrébins, ils sont solidaires. Là-bas, une fois, ils ont touché une meuf, une fille libanaise à la plage, à Bondi Beach. Ils sont débarqués en masse. Ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Quand on dit, we stick together, il m'a dit, on reste ensemble, nous. Nous, chrétiens, on s'en fout, chrétiens, musulmans, on est des arabes, on reste entre eux. Ils savent qu'il y a du racisme, ils savent qu'il y a des. Oui, moins, je sont, suis d'accord, mais sauf que. Aux États-Unis, tu sais que les musulmans. Attends, frérot. À Houston et au Texas, ils vivent dans des motions. Ils vivent dans des palais, dans des belles demeures. Il y a aussi le facteur aussi, il y a plusieurs facteurs qui... Moi, j'ai pas envie de trouver les excuses, et c'est très intéressant ce que tu nous dis. Mais quand une communauté n'est pas en nombre, elle est obligée d'être soudée dans un pays. Nous, au Maghreb, nous, les Maghrébins en France, on fait tellement partie de l'histoire qu'on est dilué et dissous. En France, tu trouveras toujours un Maghrébin qui est contre toi. C'est comme ça, parce qu'on est des millions. Il y a ce facteur-là, frérot. Et il y a aussi le facteur qui fait que, je te dis la vérité, la France est laxiste.
Je l'ai toujours dit, moi, ça. C'est la crise. Mais pour, non, mais moi, pour moi, je ne crois pas, je ne pense pas, tu as vu quelqu'un qui est castésien, je ne pense pas que c'est lié à la religion, peu importe. Pourquoi une fille ou un homme qui naît, je ne sais pas, à Harlem ou à Helsinki ou à Sydney, il rentre, il paye le ticket de bus. Il paye sa carte, il s'assoit. Il n'est pas là à insulter le chauffeur ou à mettre la musique à fond. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, par exemple, c'est quelque chose. Moi, je comprends pas, en fait. Voilà pourquoi dans le métro, les deux lignes de métro à Marseille, personne paye. Personne paye. Je suis allé, personne paye. Il rentre, je leur dis non, ici, personne paye. Normal. Tu vois? C'est quelque chose de. Frérot, dans le RER, il y a des gens, ils appellent au téléphone. Ouais, je lui ai léché la chatte à l'église, devant des mamans, ils s'emballaient. La France, c'est la jungle. Wallahi l'azim, ce pays est trop laxiste. C'est pour ça que moi, je souhaiterais qu'il y ait des escadrons de la mort. T'as dit les escadrons du Brésil, les escadrons de la mort, devant les lycées pour les HB, dans les lignes de métro et de bus. Wallahi frère, faut donner des coups de crosse dans ce pays. Mais malheureusement, la gauche nous a tellement ramollis. Nous a tellement endormis en faisant tapiner nos sœurs, en leur donnant des rôles au cinéma, en les faisant parler sur les plateaux pour pisser sur le patriarcat maghrébin. Va demander à une Albanaise, une Turque, une Tchétchène de venir sur des plateaux comme ça. En Allemagne, les Turcs, ils sont 7 millions. J'ai jamais vu une Turque voilée sur un plateau en train de faire la folle. Il n'y a qu'en France qu'on le fait. Parce qu'ils détestent l'islam en France. Ils ont des députés, ils ont des élus de leur communauté dans le Parlement européen, dans le Parlement allemand. Ils ont des maires. Ils sont représentés. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi la communauté marocaine des Pays-Bas, ils ne sont pas beaucoup, ils sont 400 000. Ils ont élu un maire, le maire de Rotterdam. Les Blancs, il y a bien des petits blonds. Ils ont accepté. Incroyable. Là-bas, tu vas aux Pays-Bas aussi, il faut voir aussi, ils sont très ouverts. Par exemple, tu vas avoir une voilée, venir très auto-école, enseigner la conduite. Ils sont trop ouverts. Ouais. Les Pays-Bas, moi, c'est un pays que je ne prends pas pour exemple. J'ai vu des hijabeuses, elles étaient en cuir. Même le hijab, il était en cuir. La tête de ma mère. Les Hollandaises, frérot, les HB en Hollande. Frère, c'est un phénomène, hein, il faudrait qu'on en parle. Hein. Wallah, hein, moi j'ai vu des HB, pantalon en cuir, hijab en cuir. J'ai collé. Évidemment, moulé, évidemment. Mais bon. Les Hollandais, moi, exemple. Un exemple. C'est un pays de merde. Le Danemark, les Pays-Bas, tous ces pays laxistes là, qui sont ouverts. Le Canada, tous ces pays de merde. Pour moi, c'est des pays de merde, ça. Moi, je te dis la vérité. C'est propre, là-haut. C'est propre, mon frère. Quand tu vas là-bas, il n'y a pas de pavé par terre. C'est propre. Les gens font du vélo. Moi, je ne sais pas, je n'ai jamais eu aucun problème. Après, je parle de mon expérience. Hein. Je voyage. Quand je peux voyager, je voyage. Et franchement. Mine de rien, ce que j'aime bien, c'est que la France est un paradoxe. Et tu vas me dire ce que tu en penses. La mentalité France, française. Regarde, je te dis un truc, Bassem. Moi, je suis parti à l'étranger. Il n'y a pas de sécurité sociale. Là-bas, le médecin, tu payes 50 dollars. Avant de prendre ton visa, on te dit il faut que tu aies 3, 4, 5 000 dollars dans ton compte en banque. Il faut que tu nous prouves comme quoi tu peux venir. Ici, tu viens, c'est marche ou crève. Tu payes, tu travailles. Ok, tu fais une connerie, tu es expulsé. Et je connais plein de Français qui sont bannis 5, 10 ans. Les USA, d'Australie, ils ont été bannis. Nous, en France, un étranger, il vient, il a l'AME, l'aide médicale d'État. Je connais un blédard, il est venu là, il y a 3 mois du Maroc. Il m'a dit, j'ai l'AME. Il me dit, je viens à la pharmacie, je vais chez le médecin, c'est gratuit. Il me dit, c'est bien la France. C'est un des pays qui taxe le plus et qui c'est énorme. En France, c'est énorme. La sécu, gratuit. Les transports, gratuit. On te donne même le RSA, gratuit. Va dans certains pays en Europe, il n'y a pas de ça. Moi, je suis parti en Estonie, le SMIC, il a 200 euros. Et je parlais avec un pote estonien, je dis, mais nous, c'est 2 euros, 3 euros, tu manges par jour. C'est pas pareil. La vie, elle est différente. Tu vois ce que je veux dire? C'est différent. Moi, ce que j'ai remarqué, par rapport à la France, c'est que quand tu vois comment ils ont ghettoisé, parce que ça, il faut le dire, hein, l'État français, ce qu'ils ont fait, que ce soit dans toutes les banlieues, hein, qu'elles soient à Lyon,
Marseille, Paris. Quand tu vois à Paris la banlieue de 93, de 94, quand tu parles souvent des communistes, t'as raison ce que tu dis, Bassem, c'est les pires, ces mecs-là. Oublie pas que c'est un communiste qui a fait la loi sur le vol intégral. C'est un mec de chez vous, hein. Vous êtes au courant ou pas? C'est un mec de chez vous qui a fait cette loi-là. Il a dit, ouais, à Vénitieux, nanana, je sais pas quoi. Alors attends, frérot, je vais rebondir sur une chose. Après, on va passer à autre chose, mais je vais rebondir sur une chose. Déjà, faut faire attention. Si on veut parler clairement d'Inde, ou si on veut parler représentation de notre religion et tout, les pays anglo-saxons, c'est des pays que je me méfie terriblement. Terriblement parce qu'ils sont très, très hypocrites avec l'islam. Ils appliquent la taqiyya même dans leur pays. Tu vas à Londres, tu verras une voilée maire de la ville. Par contre, les Anglais ont été les premiers à aller envahir les pays musulmans. En France, on a encore cette mentalité de raciste et de anani. C'est-à-dire, la France est le pays qui aime le moins l'islam, mais c'est celui qui lui rend le plus service. À Londres, une hijbe en cuir, elle va venir, en mini-jupe, ils vont la laisser rentrer en boîte. Parce qu'ils aiment tellement l'islam qu'ils sont ouverts. Par contre, en France, ils vont la mettre à la porte. On applaudit Clarence. Le gypsy. On applaudit. Voilà. La France, il y a encore cette mentalité qui, mine de rien, sauve nos codes encore. Et les crasses, elles te diront « Ah, c'est une dinguerie, c'est du racisme !» Absolument pas. Les anglo-saxons sont les plus hypocrites avec l'islam. C'est les plus grands fils de pute. C'est eux. Parce qu'il n'y a qu'eux qui sont allés envahir nos pays pour niquer leur richesse. Par contre, aux États-Unis, à la mairie de New York, tu peux voir une fille voilée. Hein. Aucun problème. Hein. Ils n'ont pas de problème avec ça, eux. Hein. Eux, ils s'en foutent de ça. Mais d'un autre côté, voilà. Je préfère largement l'hypocrisie à la française. Wallahi, frérot, je te dis la vérité. C'est pas en France que tu verras une fille comme tu vois en Hollande, en boîte de nuit, en hijab, normal. En France, on aura du mal à le voir un peu quand même. Si, autrement, elle se fait afficher direct. Vous pouvez compter sur nous. Donc voilà. Moi, j'ai que ça à dire. Moi, en fait, par rapport à... Moi, quand je suis parti dans les pays de l'Est, les anciens blocs soviétiques, là-bas, j'ai vu des bâtiments, des anciens bâtiments. Et je demandais, mais c'est quoi? Mais ça, c'est des tours HLM de chez nous. En fait, tu remplaces juste la population avec, par exemple, avec Vénissieux, avec Saint-Denis, ou avec les Nord de Marseille. C'est la même chose, sauf que les Français ont construit des barres d'immeubles. Ils ont mis tous les étrangers en périphérie des villes. Et ça, l'erreur qu'ils ont fait. Et c'est ça, c'est les problèmes sociaux qu'on a aujourd'hui. C'est qu'ils ont créé des bâtiments et les ont mis en périphérie. Excuse-moi, mais Marseille, Vénissieux. Non, c'est pas pareil. Écoute, frérot. Non, écoute, frérot, les grands ensembles n'ont absolument rien à voir. Rien à voir. Les grands ensembles ont été construits à l'époque pour les rapatriés d'Algérie. Il fallait construire en urgence les bidonvilles. Les centres-villes étaient devenus des bidonvilles. Il fallait mettre les gens en périphérie. Et crois-moi que dans les années 60, quand ils sont venus habiter là-bas, pour eux, les HLM, c'était l'Amérique. Avoir la douche et les toilettes dans son appartement, être chauffé au sol, wallah, c'était le grand luxe. Donc, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. Après, ça s'est détérioré quand on a eu accès à la propriété sous Valéry Giscard d'Estaing. Bref, on va pas se répéter. Mais, attention, les anglo-saxons, beaucoup de gens... Ouais, tu sais, moi, ça me fait planer à Londres. Mashallah, il passe l'Eden au Big Ben. Mashallah. Pendant ce temps-là, ils font un deuxième trou de balle à Kadhafi. Rayahmou, à Saddam Hussein, Rayahmou. C'est les premiers à venir dans les coalitions pour tuer des musulmans. Rayahmoum. Mais Mashallah, c'est les moins pires. Tu sais, les musulmans, t'as Internet. C'est les moins pires. Ils passent l'Eden au Big Ben. Mashallah, j'aimerais trop. Alors, c'est quand sous la tour Eiffel? Français, française. Je suis un musulman, avec tous les défauts que j'ai. Je suis fier d'être français. Écoutez mon message. Défendez. Cassez les haut-parleurs. Le jour où qu'il y en a, ils essayeront de mettre l'Eden. Le vrai musulman ne s'amusera jamais à le mettre dans les rues ou dans des symboles comme le Big Ben, parce qu'il respecte trop la religion et l'histoire du pays. Le vrai musulman, il se fait discret. Tous ceux que tu vois qui veulent voir le Tarawih sous la tour Eiffel, c'est tous des fils d'up.
ils veulent faire la salade à côté d'une meuf qui n'a pas le hijab, à côté d'un vendeur de merguez, à côté de... Tout est swag. Français, Françaises, protégez ce pays. Sachez que les musulmans, les vrais musulmans, les pieux, ceux dont je ne fais pas partie, mais qui me parlent, eux en ont marre de tout ça. Et aiment bien quand vous refusez des hijabs en boîte, sur des plateaux TV, au cinéma. Ils aiment beaucoup ça. C'est pour ça que la France, pour moi, est un pays où je trouve que c'est les plus francs. Au moins, ils nous la font à la zeub. C'est pas comme les anglo-saxons qui nous mettent... Dans une mosquée, tu mets l'Éden. Mais j'ai envie de te dire, on est en France, on est dans des pays où... D'accord, toi, le maghrébin, Zama, ah, comment, qu'est-ce que tu racontes? Demain, tu rentres au bled, tu entends des sons, des cloches d'une église. Hakrabi, elle brûle. Wallah, elle brûle. Vous savez, excuse-moi, quand certains maghrébins enlèvent le drapeau français à la mairie du 8e pour mettre un drapeau du Maghreb, si moi je vais au Maghreb, j'enlève le drapeau, je mets le drapeau français, vous me découpez en 8. Vous respectez absolument rien. Vous êtes des faux maghrébins. Wallah. C'est un manque d'éducation, ouais. Bastien, tout ça, c'est un manque d'éducation, oui. Ça, c'est des choses. Pourquoi, oui. Pourquoi il y a ça? Il faut poser une question, il faudrait avoir un certain esprit et se demande pourquoi ça? Pourquoi les États-Unis, les Américains, ils sont d'abord américains, ils sont fiers d'être américains. Moi, j'ai rencontré des Afro-Américains, Asiatiques américains, Arabes américains, Italiens américains, Irlandais. J'avais un ami, il venait de Californie, il avait 2 passeports, New York américain, Irlandais là-bas, en fait, on est fiers d'être d'origine. Attends, Hussein El-Shaoui. Houssem El-Shaoui, t'es un peu aveuglé avec la France. Là, toi, tu parles des exemples de cassos. Hussein, wallahi l'azim que non. Mais Hussein, j'ai une question à te poser. Est-ce qu'on a besoin de demander à faire Tarawih sous la tour Eiffel pour faire nos salats correctement et à l'heure? Je crois pas. Est-ce qu'on a besoin d'avoir l'Eden en plein Paris? On n'a pas besoin de ça. On n'a rien demandé. Moi, je vise cette population swagisme des mounefers, des hypocrites. C'est des hypocrites. Pour exposer la religion à ce point-là, laisser rentrer n'importe qui, n'importe quoi, par votre swagisme, regardez, on en est arrivé. Les gens, pour faire des vues, ils mettent des hijabs et ils chantent du anachide. Toi, les frères musulmans, viens, je te roque dans. Bande de fils de. Ça, c'est notre religion. T'as vu hier le reportage qu'il y a eu? Il y a des influences suceuses de leur grand-mère, les pavutes. Elles ont menti toute leur vie. Elles ont dit qu'elles étaient robeux pour mieux vendre. Et il y a des filles robeux, tellement c'est des putes, elles étaient accrochées à l'idée. Elles savaient qu'elles mentaient. Mais non, c'est une robeux, elle est comme nous. Il y en a même, elles ont appelé leur enfant Mila, Starfallah, parce qu'elles ont cru que c'était musulman. Bon, écoute, c'est la génération d'aujourd'hui. C'est devenu n'importe quoi. Non, mais par rapport à... Moi, regarde par rapport à la constat des Indiens et des Pakistanais à Londres, et c'est ici. Ici, c'est des vendeurs de marron chaud. Va à Londres, va en Grande-Bretagne, tu vas voir les Indiens et les Pakistanais. Va voir comment ils sont en place là-haut. Moi, je te dis, j'ai vu, ça m'a mis une claque. Tu vois, ça n'a rien à voir par rapport à ici. Le truc, je dis pas que c'est parfait. Je ne dis pas la France et tout. La France, c'est un grand pays social. Et c'est à l'étranger, tu payes, mon pote. Tu payes. Il n'y a pas de ça dans certains pays. La France, c'est un pays très généreux. Moi, je ne dis pas le... Nous, par exemple, en Tunisie... Les voleurs, mon frère, les politiques français. Nous. L'autre, il s'est rattrapé. Sa femme travaillait, elle était par nos impôts à nous. Tu te rends compte? Maire de Marseille, augmentation de salaire, il était payé 90 000 euros, il s'est augmenté à 111 000 euros. Détournement de fonds publics, corruption, c'est quoi tout ça? Sarkozy, l'autre ministre du budget qui a 1 million d'euros caché en compte en Suisse et qui ment devant toute la France entière. Au bout d'un moment, je comprends les gens, après, ils disent, pourquoi respecter? On s'en fout. On dit, voilà... Mais bon, c'est pas bon. T'as raison. Wallahi, t'as raison. C'est vrai qu'il n'y a que en France où la politique a des scandales avec l'argent public. C'est vrai. Dans les pays anglo-saxons, ça, c'est très, très grave. C'est limite une peine de mort, ça. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Wallahi, il a raison. Alors, nous, en Tunisie, il y a des églises. Hein, et ça pose... Il y a des églises, des synagogues. Ça pose aucun problème. Regarde, aucun problème.
parce qu'elles font pas taper leur cloche, ça pose aucun problème. Regarde, un exemple, regarde. Moi, j'ai rencontré des Tunisiens, des Marocains et des Algériens à l'étranger. Pourquoi un Algérien d'Algérie que tu rencontres au Canada, en Australie, un Marocain que tu rencontres, je sais pas, à Helsinki ou à Boston, pourquoi il est différent? Pourquoi il est différent? Pourquoi il n'a pas le même comportement? Pourquoi il est plus poli? Il est plus... Une fille aussi, une étudiante à Melbourne, plus polie. Pourquoi? Pour quelle raison? Pourquoi un Maghrébin de Lyon, de Paris, de Marseille, il n'a pas le même comportement qu'un Américain, qu'un Canadien, que je ne sais pas moi, Suisse ou un Néo-Zélandais, j'en sais rien, tu vois, qui vit... Pour quelle raison? Pourquoi? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui fait qu'une personne qui naît en France, il n'est pas le même? Tu vois, et pour quelle raison, tu vois, les gens, voilà, comme il a dit, là-bas, ils sont diplômés. Parce que là-bas, ils cherchent, ils choisissent, t'aurais une grâce. C'est vrai ce qu'il dit. Là-bas, quand tu vas là-bas, moi, c'est parce que j'ai demandé un visa pendant un an. Ils me disent, voilà, tu dois ramener 4 000 dollars, tu viens. Tu respectes la loi, ils te disent rien. Il y a des clandestins, même aux États-Unis, ils te disent rien du tout. Tu vas là, tant que tu respectes la loi, tu ne brises pas la loi. Tu ne respectes pas la loi, ils te dégagent. Tu fais de la taux et tu te casses. Et tu es banni du pays. Tu ne reviens plus. Alors en France, non. En France, non. On leur file à manger. On leur fait faire du karting à des violeurs, à des pointeurs. Ils font du karting et à la rate. Ouais, bon, écoute. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la France, c'est comme ça. Mais moi, je crache pas sur la France, frérot. Attention. Ouais, surtout au niveau de l'islam. Je préfère avoir affaire à des Français, tu vois, qui nous disent anani les choses qu'avoir affaire à des... Yeah, my friend, viens là, my friend. Ouais, c'est ça. Frérot, en tout cas, merci beaucoup. T'es un bon, prends soin de toi à la prochaine, Selem, frérot. Ouais, il était bouillant, frère. Hein. C'est vrai qu'il faudrait qu'on parle un peu de ça, là. C'est super important. Bon, revenons à nos moutons. Alors, attends, putain, ça y est. Les trolls, ils sont arrivés. Regarde-moi ça, c'est folle. Regarde-moi ça, c'est vieille folle. Toutes les mêmes numéros. Regarde-moi ça. Chouffe les vieilles folles, les mêmes numéros. Les mêmes. Ouais, allez, représente. Allez, vieille folle, je t'écoute. Salam salam. Ça va, tu vas bien? Et toi? Vas-y, envoie la sauce. Je voulais parler du sujet du soir sur lequel on était tout à l'heure, tu vois. C'est le frère routier. Ouais, frère routier. On parlait souvent des pourquoi on était en dépression et tout. Et on n'a pas trop, je pense, accentué la solution, c'est-à-dire comment... On va dire les gens en sont sortis ou des solutions qui peuvent être apportées, parce que la TH, t'as dit que c'est un TH de partout, tout le temps. Est-ce que dans la TH, il va sûrement y avoir des psychologues qui ont eu des clients dépressifs et savoir qu'est-ce qu'ils leur ont prescrit ou qu'est-ce qui a marché sur la continuité des rendez-vous qu'ils avaient avec leurs patients, tu vois? Donc, j'ai essayé de leur poser la question, mais... Wallah, j'ai pas eu mes réponses de ce côté-là. Parce qu'il y en a sûrement, tu vois. Je pense que t'as sûrement des psychologues dans la room, dans la TH, il y en a sûrement. Je vais demander, mais... En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses. On a eu des dépressifs avec nous, wallah, ils m'ont touché. Ah, franchement, moi, aussi, je te dis la vérité. Beaucoup de choses, hein. J'ai appris beaucoup de choses, hein. Mais tu vois, la vie de quelqu'un... qui vit 2 ans quotidiennement, pas 100% de ses patients qui sont dépressifs, mais ou un psychothérapeute, mais c'est, on va dire, c'est la personne qui est entre guillemets la plus à même scientifiquement de nous expliquer, comme le frère authentique nous a parlé de certaines choses, ou le frère qui était juste avant aussi, il nous a parlé biologiquement qu'est-ce qui se passe dans le cerveau par rapport au quand tu fumes un chnouf ou un truc comme ça, toi. Donc, je te parle par rapport à moi, dans mon métier de routier, Bassem, je te jure, des dépressifs, il y en a. Parce que tu as des mecs qui partent à la semaine, ils sont loin de leur famille, tout seuls dans leur camion, et je les croise dans les aires de repos. Wallah, Bassem, quand il te voit. Mais c'est dangereux, un routier dépressif, frère. Il peut te payer. Il n'est pas dépressif dans le sens où il va foncer comme la promenade des enfants. Il est dépressif parce qu'il est tout seul dans son camion, il part du dimanche soir, il revient samedi matin. Il voit que son fils le soir, vers 18h, en fast time. Il te voit dans la station-service, par exemple. Je vais en croiser un, je le vois. Il y en a qui profiteraient de lui, tu vois. Mais le mec, il est tellement content d'avoir un rapport humain avec quelqu'un. Parce que quand il dort dans les aires de repos, il me dit, il n'y a que des Roumains. Je peux parler avec personne. Il me dit, même quand je finis le taf, je parle avec personne. Il me dit, quand je vais charger dans des endroits, maintenant, il y a que des étrangers. Il me dit, tu vois, il n'arrive pas à avoir un rapport humain, on va dire, en dehors de sa famille, vu qu'il part à la semaine.
Et ces mecs-là. Wallahi, frérot. C'est vrai qu'on a. De métier, ouais, on n'a pas pensé au métier. C'est vrai qu'il y a des. Le métier de chauffeur poids lourd, tel que tu le décris psychologiquement, peut t'emmener en dépression, frérot. Franchement, pour quelqu'un qui part à la semaine, franchement, je l'ai fait à la semaine. Hein. Mais moi, je te parle des mecs qui sont à la semaine. Ils ont fait toute leur carrière. Ça veut dire qu'ils ont vu leurs enfants que le week-end. Ils bossent que pour ça et ils arrivent pas à joindre les deux bouts s'ils rentrent chez eux tous les jours. Donc il faut qu'ils aillent découcher la semaine. Ok, maintenant il y a le téléphone portable, mais imagine Bassem avant, ceux qui n'avaient pas d'iPhone. Ouais. Ils n'avaient pas de portable. Ils pouvaient joindre que leurs enfants par téléphone. Comment ils faisaient, tu vois, pour avoir ce rapport que maintenant, par exemple, toi, si tu es en découché, tu peux appeler ton fils, tu as la vidéo. T'as plein de trucs, t'as plein de moyens de montrer ton quotidien ou de l'appeler en FaceTime, ou t'as Snap, il y a plein de choses qui font que, on va dire, ça peut aider, tu vois, dans la communication avec ta famille pour pas perdre les deux bouts, tu vois. Et franchement, moi je te parle de score de métier, j'en croise, hein. Là, t'en as, ils sont dépressifs. Et pour te dire, tellement nous les routiers, on est des habitués. Quand je dis des habitués, c'est que chaque corps de métier a ses habitudes. Toi, quand t'étais à l'usine, t'avais tes habitudes. T'arrives, je te connais, hein, j'ai écouté Bassem tes lives, t'arrives avant l'heure, tu commences à l'usine, tu restes 20 minutes dans ta VR6, petit renouf, tu rentres, ça commence, tu commences, t'es dans l'ambiance, petit café à 10h, toi, t'as tes ambiances d'usine. Ben nous, les routiers, c'est pareil. Il y a un mec qui fait Bordeaux, Paris, mais moi, je fais l'inverse, tu vois, mais je vais pas jusqu'à Bordeaux. Eh ben, on se croise à la même heure sans avoir chacun notre numéro de téléphone, sans savoir qui est l'autre et sans savoir quelle route il prend. Et on se croise toujours à la même heure à la pompe. Tu vois ? Et on est déshabitué parce que quand je le vois, il me parle. Et tu sens quand quelqu'un te parle qu'il a envie de parler, tu vois ? Et ouais, wallah, ouais, fois, oui, wallah, c'est vrai. Je dois y aller, mais il enchaîne tellement il enchaîne. Et tu peux même pas lui dire, vas-y, j'y vais, tu vois. Soit limite, tu dis, c'est quand il va finir de parler que je vais pouvoir partir. Tu vois, par respect, tu vois. Nous, on a drahma un peu, on attend qu'il parle. Mais je te jure, Bassem, dans ce corps de métier, bah justement, quand je te dis, on a les habitudes, c'est-à-dire que je le vois tous les jours, 5 jours par semaine, des fois 6. Il a pas le même état d'esprit tous les jours. Tu vois, c'est un jour, c'est différent. Un jour, ça va. Et il s'ouvre à toi, tu vois, surtout les gourds. Hein, surtout les gourds, tu vois, les Français. Il s'ouvre à toi, l'IA. C'est-à-dire, il va te raconter tout. Aujourd'hui, ma femme m'a lâché. Putain. Il y en a plein, ils m'ont dit. Il y en a plein, il m'a dit, heureusement, j'ai mon métier qui me permet actuellement, parce que j'ai pas d'appartement, de dormir dans mon camion. Déjà, je dors mon camion 5 jours par semaine, 6 jours par semaine. Et il me dit, heureusement que j'ai mon métier pour dormir. Et il me dit, à 7e jour, je vais à l'hôtel. Donc, quand il rentre chez lui en week-end, il va à l'hôtel. Il me dit, pourquoi prendre un appartement? Il me dit, je dors une nuit par semaine chez moi, ou deux. En fait, leur métier leur sauve la vie, en vrai. Entre guillemets. Et je te jure que la sociabilité avec d'autres routiers leur sauve la vie, surtout dans les relais routiers. Dans les relais routiers, quand tu rentres, Bassem, tu connais pas un mec. Mais par exemple, si tu rentres toi dans un relais routier, tu vas voir les mecs parler, tu vas dire, eux, ils se connaissent depuis 10, 20 ans. Ils roulent ensemble, ils se connaissent. Tu leur poses la question, ils se sont connus peut-être la journée même. Mais il s'ouvre tellement, c'est le relais routier, c'est t'arrives, tu poses ton camion, vas-y les gars, on va se laver, on se retrouve à 20h au relais, vas-y prends ça, toi tu prends ça, moi j'aime pas trop le yaourt, mais vas-y prends-le, c'est dans la formule, moi je te donne le yaourt, toi tu me donnes le fromage, t'as capté? C'est-à-dire en gros, tu peux pas te mettre dans un relais routier et t'asseoir, et tu les vois de toute façon, les étrangers sont dans leur coin, ceux qui parlent français sont dans leur coin, les arabes dans leur coin, mais chacun est obligé d'avoir une relation sociale, tu vois. Et si t'as pas ça, moi je me demande comment ces gens-là ils peuvent faire, et en plus à qui ils peuvent parler, et surtout ceux qui font de la nuit. Incroyable, incroyable. Incroyable. En tout cas, incroyable. Chaud, en tout cas, c'est parfait, frérot. Aujourd'hui, tu t'as parlé de vraies choses. Wallah l'adim, frérot. Merci. Non, franchement, c'est un sujet, comme t'as dit, que on n'est pas fiers, mais comme t'as dit, la seule femme à qui on peut en parler, c'est la mams. Et la mams, frère, tu connais nos mams, généralement, à cet âge-là, elles sont bredins un peu, elles sont pas en bonne santé. Qu'est-ce qu'on va leur rajouter des problèmes? Ouais, bien sûr. Et on va pas leur rajouter des problèmes, tu vois.
Moi, la mienne, elle a eu 68 ans il y a 3 jours. Qu'est-ce que je vais aller lui dire ouais, je suis pas bien. Alhamdoulilah. Et je voulais parler des solutions. Bassem, je te jure, hein, et pour les dépressifs qui nous écoutent, j'ai déjà été dans des moments de baisse, de morale, très bas. Hein. Genre, en gros, je m'enfermais pendant plusieurs jours et je coupais le téléphone. Quand je me dis je coupais le téléphone, c'est pas j'étais dépressif. C'est je me dis je coupe le téléphone pour avoir aucun contact et revenir plus fort. Et ça marche. Mais qu'est-ce qui marche ? Quand je dis revenir plus fort, c'est pas je m'allonge, je reste chez moi dans le Nord. Hein. Non. C'est je coupe le téléphone et je sors et je vais. Et je te jure, Bassem, que quand tu vas voir les gens et que tu te poses la question sur toi, genre en gros, tu te regardes ta situation à toi. Je suis khaddam, j'ai un toit, j'ai une mra, j'ai la santé, alhamdoulilah, j'ai une vago, j'ai ce qu'il faut, je suis musulman. Tu peux te dire que tu es heureux par rapport à ça. Et quand tu vas voir la haisse dans le monde, tu vois, si un jour, les gens, ils n'ont pas l'occasion, ils vont pas se c'est pas tout le monde qui peut se déplacer. Mais il y a des endroits, Bassem, dans le monde, juste au bled, hein. Tu vas dans des contrées éloignées, moi je suis algérien, toi. Tu vas dans des contrées éloignées par rapport à la vie, aux villes du centre-ville et tout. Je te jure, Bassem, quand tu vois la haisse, tu te remets en question. Tu dis, oh là, j'ai pas le droit d'être dépressif juste pour ça. Et eux, tu les vois, ils jouent dans le trap en claquette, ils ont rien, pas de tablette, ils ont pas de téléphone, ils ont rien. Ils ont qu'une petite cabane, ils vont tous prier le soir, ça mange dehors, en jemaa assis sur une zarbia. Avec du pain, ça mange à la main, et ils sourient avec toi, Bassem, ils sont avenants et souriants avec toi. Et tu lui dis, putain, mais moi, je serais à leur place. Est-ce que je serais souriant comme ça avec les gens qui viennent me visiter ? Tu vois ? Et franchement, on n'a pas le droit d'être dépressif quand on est dans comme ça. Après, tu as le droit d'être dépressif ou en baisse de morale à un certain moment. Il y en a qui ne supportent pas les séparations en termes de couple. Il y en a qui supportent plus que d'autres, tu vois. Il y en a, comme tu as dit, comme toi, le retouf. Khnouf et regardez Louis XVI derrière. Il y en a quand ils fument Khnouf, c'est ils tombent tellement bas qu'ils sont dans la dépression et le Khnouf leur fait ressortir que les mauvais négatifs, tu vois. Voilà. Ouais. Chacun, en fait, chaque corps est différent. C'est pour ça que je voulais écouter s'il y en avait un psychothérapeute ou un psychologue, tu vois. Psychologue. Qui s'y connaît parce que franchement, hey, t'as envie de te dire que maintenant, depuis qu'on en parle, je te jure, maintenant, on va plus faire attention à ça. Parce qu'il y en a plein. Moi, j'en ai connu au quartier. Il s'est suicidé parce qu'il était dépressif. Mais wallah l'adib, Bassem, quand tu le vois... Wallah, j'en connais un aussi. Tu dis pas qu'il est dépressif. Tu dis jamais. Jamais t'aurais dit il va se défenestrer. Wallah qu'il l'a fait. Il a laissé une mère, une petite sœur de 6 ans. Tu vois, c'est... En fait, c'est... Faut pas qu'on soit... Comment on dit ça ? Ignorant. Tu vois, ça peut arriver à tout le monde. Donc en vrai, si ces gens-là, ça les arrange de parler un petit peu, vas-y, bismillah, tu vois. Mais il faut aussi trouver des solutions. Moi, je dis, franchement, quand tu vas voir la haisse dans le monde, on n'a pas le droit d'être dépressif alors qu'on a un iPhone 13, on a des Gova, on a tout ce qu'il faut, on a un travail, on a un toit, on a la santé. En tout cas, frérot, wallah el azim, on l'a compris. Bonne intervention de ta part, frérot. Barakallah esthétique, Wafik Baraka, merci beaucoup. T'es un bon, Barakallah Wafik, tu vas très bien. Rabbi Hafdek, frérot. Inch'Allah qu'Allah te donne la force. Amin. Prends soin de toi, mon frère, à la prochaine, Inch'Allah. Ah, il nous a buvé un récital. Oh, Marseille, Francfort, c'est chaud bouillant, là. Ah, les rues de Marseille, c'est bouillant. Parce que vous savez que les gens de Francfort, ils sont proches du PSG. C'est bouillant. On m'envoie des vidéos là. Wouh ! Ah, je ne sais pas ce qui va se passer. Allô ? Allô, salam alaikum wa rahmatullah. Barakatou, salam frérot. Oh, il est dur le frère avant. Pourquoi il est dur? J'ai les yeux qui révulsent. Je vais redynamiser vite fait. Ça va la room? Oh, blague. T'es con. C'est un sujet qui est dur. Ça se voit, il en avait gros sur la patate. Mais c'est un vrai sujet, frère. Wallah, faut dire. Ah, mais aussi, c'est pas une vie de rouler 900 000 km. Hein, je te jure, en vrai de vrai, miskin. Ouais. Sinon, sans ça, ça va. Alhamdoulilah, les enfants, les parents. Impeccable, ouais. Frère.
Merci. Ça va, la room, ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, la room, elle va bien, Inchallah, elle est tout le monde va bien. Opérationnelle. Ouais, ça va, impeccable. Oh, ça te dit, on dérive vite fait, histoire de relancer un peu les esprits. Dérive, 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 Frangio, dérive. J'ai découvert une petite nouvelle scientifique récemment. Et, subhanallah, elle est percutante, elle est très pertinente, tu vois. C'est une scientifique allemande de Göttingen, en Allemagne. Hein. Tu vois la vision qu'on a de l'atome, le noyau avec les petites orbes qui gravitent autour, les protons. Les protons, ouais. Et les neutrons. Ouais. Et bah l'image qu'on a, c'est juste simplifié pour les baloul comme moi, pour qu'ils puissent comprendre un peu ce que c'est qu'un atome. Mais est-ce que tu sais vraiment à quoi ça ressemble? Je connais juste ce qu'on nous montre au niveau de Tu l'atome, vois? avec ses Et neutrons, bah, ses protons. Parce que tu sais, on pense tout le temps à l'infiniment grand, on regarde le ciel et tu sais, il y a un frère, il a appelé il y a 2-3 jours pour parler en proportion la taille du soleil et les distances, tout ça, tu vois. Mais c'est dur à percevoir pour nous, du coup, si on se plonge dans l'infiniment petit, en fait, un atome, c'est ce qui nous compose tous, hein, c'est ce qui compose absolument tout. Il y a un noyau et il y a énormément de vide, puis comme un gaz, comme de la fumée qui recouvre ce noyau. À échelle, si tu préfères. C'est l'univers. Exactement, frère. C'est comme si, imagine-toi, tu vois un atome, s'il faisait 1 mm, il y aurait 100 mètres de vide en taille réelle. Hein. 1 mm, l'atome, le noyau, il y aurait 100 mètres de vide avant d'avoir le gaz tout autour. L'infiniment. Tu vois ce que je veux dire? En fait, l'infiniment petit représente l'infiniment grand. Exactement. Et dis-toi que toute l'humanité tiendrait dans la taille d'un dé si on enlevait ce vide-là. Incroyable. Tu te rends compte ou pas? Qui maintient l'humanité, ce qui maintient tout, ce qui maintient la vie, c'est du vide. Et pour un peu mettre en bouche, c'est ça, c'est le prolégomène un peu de l'appel. Je vais te citer ça avec précision. Et pour mes frères musulmans qui savent bien, écoute, le gaz avant toute chose, tu sais ce que le terme gaz, c'est un emprunt linguistique. Parce qu'à la base, le gaz, ça veut rien dire d'autre que fumer, tu vois. Et peut-être qu'il y a des frères qui savent où je vais en venir. Sourate 21, verset 30, Allah dit « Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. » Et à l'origine, la fumée qu'Allah, exalté soit-il, créa, représentait l'essence de cet univers, qui était tout d'abord une seule masse, telle que nous l'indique Allah. Il s'est ensuite adressé au ciel, qui était alors fumée. Subhanallah, tu te rends compte? À l'origine de l'univers, il n'y avait que de la fumée, qu'Allah a dissociée. Il en a fait les cieux et la terre. Une masse compacte qui, une fois dissociée, a créé tout ce qui reste. Et tu penses que il a fait de l'eau toute chose. L'atome, c'est remonter le temps. L'atome... Remonter le temps. En fait, non, c'est... le temps en après... fait... Oh non, non, mais je te parle... Quand je te dis remonter le temps, c'est-à-dire, en fait, l'atome, c'est l'univers à l'origine. Exactement, on peut remonter ouais. le temps grâce à l'atome. Voilà. Donc, tu vois, donc les versets ils sont simplifiés pour l'humanité. Comme incroyable. Wallah, subhanallah. Franchement, je connaissais pas ce verset, mais incroyable. 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 C'est juste, ça, c'est une mise en Moi, bouche. Je suis passionné. Incroyable. À Wallah, l'origine de je suis toute chose, passionné. Il y avait de la fumée et de l'eau. De la fumée et de l'eau. Subhanallah, il y a 1400 ans. C'est pas un truc de fou. De la fumée et de l'eau. Quand on nous dit que le Coran s'adresse à toute l'humanité, c'est pas des blagues parce qu'aujourd'hui, on peut pas résumer mieux l'origine de la création. Que le kun fayakun, une énergie écrasée. Soit il l'est. C'est pour ça que frérot. Soit alors, non, non. Alors, moi, au début, je te jure que j'étais dessus. Et puis, je disais souvent. Alors, on sait qu'Allah a fait la terre et les cieux en 7 jours. 6. Et le 7e jour pour nous apprendre la sagesse. Pas pour se reposer, six jours. Attention. Pour nous apprendre la sagesse du repos. Merci beaucoup, frérot. Mais, moi. J'ai toujours fait un parallèle avec ce fameux Bing Bang, qui est en réalité Kun Fayakun, soit il est. Kun Fayakun. C'est ça le Bing Bang en vrai. À l'origine. Les gens ils disent, il y a eu un Bing Bang d'un seul coup, l'univers a été créé. Mais comment l'univers a été créé? Kun Fayakun, soit il est. On peut tout tracer sauf ça. On peut tout tracer sauf l'énergie du Big Bang, d'où elle provient. Est-ce que pour nous, croyants, c'est quelque chose de... d'extraordinaire de se dire qu'une parole de Dieu suffirait à générer assez d'énergie pour créer l'univers. Ou alors non, pour moi c'est banal. Si tu me le dis comme ça, mon Seigneur est capable de toute chose. Qu'une parole ait suffi à générer assez d'énergie, si cette énergie-là, sous le commandement de son Seigneur, a créé toute chose, moi ça me paraît pas fou. Enfin c'est fou, c'est
Enfin non, là, c'est incroyable. Les gens ne savent pas que il y a plus d'étoiles dans le ciel que de grains de sable sur Terre. Ouais, c'est impressionnant, mais après. Et dans les étoiles, chaque étoile. Le groupe local. Chaque étoile, il y a des planètes qui tournent là-bas autour. Hein. Rien que dans notre galaxie, la Voie lactée, il y a 11 milliards de planètes potentiellement habitables. Et c'est rien. Et c'est rien. Tu te rends compte? C'est rien. Le groupe local dans lequel toutes les galaxies 100 000 fois plus grandes que la nôtre, ça représente même pas 0,01% de l'univers. Si on notait et encore je m'égare, je voulais pas aller dans l'infiniment grand. Parce que c'est. Moi, je voulais te parler d'un truc à la base, c'était l'invisible. L'invisible serait-ce l'infiniment grand. Qu'est-ce qu'on trouve le plus dans l'univers, frère? Qu'est-ce qu'on trouve le plus? La matière noire. Et on la matière noire. Avant, mais maintenant, non. Non, oui, la matière noire. C'est de la matière. Voilà. Est-ce que la matière noire serait pas. J'ai pas envie de dire des conneries, mais vous m'avez compris. Non, moi j'ai cru que c'était les mains. Non, absolument pas. Il manquerait plus que ça. Ouais. Déjà ils disent que le Père Noël il est noir. Déjà ils disent que. Ouh là là, ils ont mis la petite sirène là. Ils ont mis la petite sirène swag, la tête de ma mérise. Ils ont tout niqué. Alors non, mais c'est vrai, mais c'est la matière noire qu'on trouve le plus. La matière noire. Bah écoute, la matière noire, qu'est-ce que ça cache la matière noire? Tu sais, tu dois savoir ça peut-être. Tu vois, quand on regarde le ciel, qu'est-ce qu'on voit? En vrai, il y a tellement d'étoiles, on devrait voir que du blanc, en vrai de vrai, même la nuit. On voit que du noir. On voit que du noir, pourquoi? Parce que le spectre visible de la lumière, par l'homme, il est très limité. Tu sais comment il se définit? Il y a les rayons gamma, c'est en nanomètres. Il y a les rayons gamma, les rayons X, les ultraviolets, c'est du plus petit au plus grand, là je situe. Ensuite, il y a le spectre visible par l'œil humain. Au-dessus de ça, on a les infrarouges, les ondes micro, les ondes radio, les ondes radar et j'en passe. En fonction des filtres qu'on applique, par exemple sur les télescopes, on va voir des galaxies, par exemple en infrarouge, qu'on ne verrait pas en ultraviolet. Tu vois, c'est comme ça qu'on a pu voir parce d'autres galaxies, oui, nouvelles galaxies. Mais ça, c'est... n'existe pas. C'est... Non, parce que ça, c'est suivant les lumières. Enfin, j'ai envie de dire, ouais, suivant la lumière, donc suivant les rayons qui vont dégager. L'œil est plus sensible à des rayons, par exemple, l'œil ne supporte pas l'ultraviolet. Par contre, mais peut il y a supporter des animaux, des espèces qu'il le supporte. Il le supporte. C'est le vrai. Le spectre visible par l'œil humain, il perçoit une longueur d'onde qui est entre 400 et 700 nanomètres du spectre électromagnétique. Ça représente à peine 1% de ce qui est visible dans l'espace-temps. Tu te rends compte? Les chats, les aigles, les abeilles, les poissons. Ils ont des capteurs et des récepteurs différents. Bon, après, c'est pas mon domaine, tu vois, c'est les bâtonnets, les ocelles dans les yeux. Je veux pas raconter de bêtises, mais ils voient des choses que nous, on voit pas. Comme les mouches, tu peux pas attraper une mouche. Elle voit 200, 400 images par seconde quand l'homme, il en voit que 24. Ils captent des rayonnements que nous, on capte pas. Donc, en vrai, tu mettrais une abeille dans l'espace, elle verrait des galaxies qu'on voit pas, nous. Tu verrais que du noir, exactement. Et elle verrait des galaxies, tu vois. Exactement. Wallahi l'azim, c'est ça, passionnant. Déjà, passionnant. Ça, déjà, tu peux... Tu sais, les gens qui ne croient pas en disant « je crois que ce que je vois », déjà, tu peux balayer cet argument-là depuis un siècle. Bah, c'est pas vrai, faut pas faire comme Saint Thomas, parce que dans le désert, t'arrives à voir des mirages. Donc l'œil, il est trompeur, attention. L'œil est trompeur. Et tu vois, même par rapport à ça, en vrai de vrai, dans notre religion, ça nous est déjà été donné il y a longtemps, cette information-là. Par exemple, les djinns, les anges, un voile nous a été... J'ai une question, frérot, en parlant de ça. J'ai une question, frérot, en parlant de ça. Alors, si on s'arrête à ce que tu nous dis qui est super intéressant, si on s'arrête à la perception de l'œil au niveau des rayons, comment t'expliques qu'il y a certains humains qui arrivent à voir des djinns? Là, je préfère être directement rationnel. Soit la personne, c'est un chien, soit c'est mon prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que lui nous l'a dit, c'est le seul homme capable de voir des djinns. Les autres qu'ils aillent se faire soigner, ou alors il faut leur donner des croquettes, parce qu'il n'y a pas de prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, malheureusement, des sorciers ont témoigné, les djinns, tu ne les aperçois pas. Ils peuvent prendre une forme qui te permet de les voir, mais dans leur forme, en tant que djinn, Allah nous a posé un voile.
comme pour les anges. On ne verra pas les djinns, on ne verra pas les anges. À moins qu'ils se présentent à nous sous une forme qui nous est visible, non. Comme l'ange Djibril. Souleymane, il parlait avec eux. C'est un prophète. C'est un prophète. J'ai précisé, ouais. Après Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, personne ne verra les djinns. C'était le seul homme. Le dernier prophète, en tout cas, tu vois. Oh. Il y a les gens qui voient les djinns, bah, demande-leur comment vous les voyez. Ce sont des ondes, ils sont faits d'ondes, les djinns. Je t'avais appelé déjà pour te dire que j'avais arrêté d'écouter de la musique et l'impact que ça pouvait avoir sur l'esprit, sur l'âme, le rap notamment. Et ça se joue beaucoup au niveau des ondes parce que, bon, c'est une science très, très complexe. Et très complexe. Le frère vient de dire une chose fantastique. Il vient de dire... J'ai arrêté d'écouter la musique, le rap, parce que il y en a, ils jouent sur les ondes. Et on a les maîtres. C'est de la nourriture pour les djinns. Et il y en a, c'est les maîtres. On ne parle pas de shaitan avec un non, on parle de PNL. On parle de là. Ouais, on parle de tes maîtres. Wallah, leur manière de chanter. Directement les djinns. Leur manière de chanter. Da. T'es leur manière bizarre. Lidozer. La manière bizarre. Voilà. Je sais pas. Moi, j'ai pas envie de faire comme tout le monde. T'sais, les. Ils ont passé un pacte avec les djinns. Ils ont... Non, mais... Non, c'est bizarre. On peut parler de faits scientifiques. Tu connais la musicothérapie? Ouais. Ton corps, bien sûr, se soigner par la musique. Oui. Ouais. Pourquoi? Parce que ton corps est composé de 70% d'eau. Donc forcément, les fréquences agissent directement sur ton système. Forcément. Tu vois? Et la musique... Alors dégage des excuse-moi, ondes. Excuse-moi. Et quand tu fais tes profs, tu peux jouer sur ça. Ouais, vas-y. Alors, excuse-moi. Pour ceux qui ont pas trop compris. Quand le frère, il a dit, tu réagis aux ondes parce que ton corps est composé de 70% d'eau, c'est comme si, tu sais comment on réagit? C'est comme dans un lac, quand il y a une goutte au milieu, et ensuite, tic, tic, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, quand tu exactement, jettes quelque chose tout autour, nous, notre corps, il réagit pareil. Une longueur d'onde. Comment t'expliques, subhanallah, astaghfirullah, ya Rabbi, j'allais dire subhanallah, comment t'expliques, mon frère? J'ai des musiques. T'as vu, j'ai raconté le passage. Mon frère, moi, il y a des musiques. Il me donne des frissons. Astaghfirullah ya Rabbi, frérot. Il me donne des frissons. Après, frère, ça peut être la quand j'écoutais ben, quand j'écoutais ben, no fun, no fun. Frère, tu sais, quand j'écoute Funk Passion de Tupac, j'ai les poils qui hérissent. Moi et mon frère, astaghfirullah, on est partis en couille un jour. On s'est regardé et on s'est dit, t'as vu, nous qui aimes bien le son, qui aime bien entendre des sons. Moi et mon petit frère, on est arc-boutés sur certains sons de basse. Nous, on arrive à décomposer des musiques. Alors, attends, frérot. Nous, wallah, on arrive à décomposer des musiques. Moi, tu m'envoies une musique, j'arrive à te la décomposer sur le champ. Je peux te dire que ça revient, ça jouait comme ça. Imagine, le jour où il va souffler dans la trompe, on va être le premier à les attendre. Tellement moi et mon frère, on est passionnés de dur à entendre. Il va souffler, on va être les premiers à mourir. Ouais, frère, ouais. Attends, je vais mettre en l'heure parce que la batterie faut changer. C'est quoi ça, la guerre entre le Brésil et l'Argentine? Arrêtez de dire n'importe quoi. Ouais. Mes couilles, c'est pas vrai, c'est Azerbaïdjan-Arménie, mais ça fait déjà 4 ans, 5 ans. Frère, pourquoi ça te fait vibrer? Coran Shaitan, frère, faut se dire la vérité. C'est le Coran qui devrait te faire vibrer comme ça, mais dans le cœur, il n'y a pas de place pour le Coran et pour la musique. Malheureusement, faut être. C'est dur à entendre, c'est dur à admettre, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Et concernant ça, les longueurs d'onde, comme tu expliques, tu jettes une pierre dans l'eau. Je vais te dire une connerie. Imaginons que les djinns permettent une connexion avec les djinns quand ton corps répond, on va dire entre 250 et 300 Hz. Et que dans certaines musiques, on arrive à cette longueur d'onde, on y parvient. Et vas-y, t'en as, ils vont convulser en écoutant la musique, ils vont péter un câble, ils vont se mettre à pleurer, ils vont devenir euphoriques sans raison. Il n'y a rien qui les rend heureux. En écoutant 3 minutes d'une musique, ils pètent un câble. C'est vrai. Une connexion. Wallahi, c'est vrai. Une porte ouverte au monde de l'invisible. Une porte ouverte au monde de l'invisible, mais brûle, comme on est pour la plupart, en vrai de vrai, quand on ne cherche pas la science, on ne comprend même pas ce qui nous arrive, frère. On ne comprend même pas. Là, vous parliez de dépression tout à l'heure. La dépression, elle n'existe que depuis peu de temps, frère. Est-ce que la dépression a touché nos ancêtres? Est-ce qu'elle a touché tes grands-parents? La dépression, elle existe depuis que le matériel, il est là. En fait, la dépression existe depuis qu'on est dans le confort. Donc, ça revient à ce que je dis. C'est vrai. On a des problèmes donc, de tapette maintenant. Donc, frérot, excuse-moi, ça revient à ce que je dis. Pour moi, la dépression est une maladie de riche.
Et il n'y a que les ânes et les abrutis. Non, mais il n'y a que les ânes et les abrutis qui vont dire, mais il dit n'importe quoi. Lui, il croit qu'on parle du matériel. Il croit que, mais il y en a, ils ont rien et ils pètent pas les plombs. Vous avez quoi, vous? Vous avez quoi? C'est quoi votre problème? Vous êtes fait violer? Vous êtes... C'est quoi votre problème? Ouais, frérot. La réponse à la dépression, frère, faut se dire un truc, c'est que tout ça, en vrai de vrai, elle se résume à quoi? C'est à comment t'endures tes épreuves. Les épreuves, elles rendent certaines personnes plus fortes, elles les purifient, comme il y en a d'autres, elles sont détruites par les épreuves. Il y en a qui n'arrivent pas à tirer la sagesse des épreuves. Dans la perte d'un proche, tu peux sortir grandi, tu peux prendre 10 piges sur un décès, tu peux prendre 10 piges de maturité, comme tu peux perdre 10 ans de ta vie à te mordre. Tu vois? Comme un mec qui va pendant 4 mois... Est-ce que t'es une tapette dans ta façon d'endurer les choses? Parce que c'est dur, il y a des problèmes, frère, ils te mettent des frappes. Mais remettez-vous en question sur la force de vos épaules. Sur la... Vos problèmes valent vraiment le coup d'être fondu comme ça. Parce que c'est frère, tu nous appelles d'où, frérot? Du 91, moi, frère. Frérot, tu as quel âge? J'ai 24 ans. 24 ans, sale gamin. Tu me permets de prendre ton numéro de téléphone? Bah ouais, avec plaisir, frère. Envoie-moi un message Snap. Envoie-moi un message Snap, frérot, t'es un bon. À 24 ans, Wallah, t'es un bon. J'ai pas de réseaux sociaux. T'as pas de réseaux sociaux? Non, j'ai pas. Frérot, alors, est-ce que t'es marié, t'es en couple? Non, j'aimerais bien, Inch'Allah, me marier. Inch'Allah. Dès que je pourrais, hein, Inch'Allah. Plutôt, mais faut lui présenter une grossesse à lui là. Comme priorité. Ouais, voilà. Voilà, frérot, je te respecte tellement que même moi je pourrais pas t'en présenter une parce que déjà d'une, j'en ai rien à foutre. Je fais pas ça. Et en plus, c'est Allah qui te la portera. Et en plus, moi je peux pas parce que si t'arrive un truc, ça va être de ma faute. J'ai pas envie de te mettre dedans, donc on sait jamais. En tout cas, frérot, t'es un bon. On l'applaudit, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Barakallah ou fiqh, frère? Barakallah ou fiqh. Dis-moi, tu voulais dire quoi à la base, tu m'as dit? Frère, je voulais citer 2-3 versets pour que tout le monde puisse comprendre en fait le pourquoi du. Tu sais, pourquoi je te parle de l'invisible et tout ça. En fait, il y a une compréhension derrière tout ça. C'est que tu vois pourquoi certaines personnes ne croient pas, pourquoi certaines personnes croient, il leur suffit d'un verset. C'est quoi ce voile qui nous empêche de voir, tu vois? Ça a été évoqué pour nous, les croyants. Sourate 36, verset 9, 10. Nous mettrons une barrière devant eux, une barrière derrière eux. Nous les recouvrirons d'un voile, et voilà qu'ils ne pourront rien voir. Cela leur est égal que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croiront jamais là de quoi il est question. Donc en fait, on attend tous à être guidés, on se dit tous, bah, Inch'Allah, je serai guidé, mais en fait, on ne se rend pas compte, Allah n'attend rien de nous. Nous qui devons implorer Allah de nous guider. Et comment dire? Qui nous permet, en fait, il nous l'offre la guider Allah. Si on ne fait pas un pas vers lui, il ne le fera pas vers nous. En fait, c'est un jeu dangereux auquel on joue quand on se dit Inch'Allah, je vais me repentir, Inch'Allah, j'arrête ce. On joue avec Allah. Un jour, Rabbi me guidera, un jour. Mais c'est vrai, Wallahi, c'est vrai. Non, Wallahi, on n'est pas maître du temps, on n'a pas le droit de jouer à ça avec Allah. On n'a pas le droit de dire Inch'Allah, un jour, peut-être que tu vas t'effondrer maintenant. C'est un jeu vicieux auquel on joue de se dire vas-y, Inch'Allah, dès que j'arrête le pilon, je me remets à la prière. Dès que j'arrête ça, je me mets à la prière. On joue au temps avec Allah, le créateur du temps. C'est pas un truc de fou et on pense que vas-y, vu qu'on est né musulman ou vu qu'on croit en Dieu, en tous les cas, la guidée, elle nous est offerte. Elle nous sera forcément rendue. Tu sais, c'est quoi le pire dans tout ça? C'est évoqué. Subhanallah, un gamin de 24 ans, il vient de me scotcher. T'as vu ce que tu viens de dire là? On joue avec le temps, on joue avec. Je suis concerné. Wallahi, je suis On est tous concernés. C'est chaud. Tu veux quelque chose d'encore plus triste, frère? La première sourate du Coran nous le dit, dans les 10 premiers versets. La première sourate du Coran, pas le Fatiha, pas le prologue, la première sourate. Alif Lam Mim, le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux qui croient en l'invisible et accomplissent la salate et dépensent de ce que nous leur avons attribué. Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu, qui est descendu avant toi, et qui croient fermement à la vie future.
ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur. Ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Certes, les infidèles ne croient pas. Cela leur est égal que s'ils avertissent ou non, ils ne croiront jamais. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles. Un voile épais leur couvre la vue. Et pour eux, un grand châtiment. Parmi les gens, il y a ceux qui disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier », tandis qu'en fait, ils ne croient pas. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants. Et ils se trompent eux-mêmes. Et ils ne se rendent pas compte de ça. Ils ne se rendent pas compte, astaghfirullah. Et il y a dans leur cœur une maladie de doute et d'hypocrisie. Et Allah Rivas, nique ta mère ! Excuse-moi, frérot. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Là, il est question de quoi ? De ceux qui font semblant de croire et qui jouent avec Allah. C'est quoi cette maladie du cœur qui est évoquée, frère ? Frérot, pour finir, pour finir avec toi, Aïchik, un mot pour la fin au niveau de la dépression. Est-ce qu'il y en a, ils se l'inventent, ou est-ce que c'est... Ouais, bah, faut savoir que l'âme, dans le cœur, a pas mal d'étapes, et la dépression, ça en fait partie. Mais en vrai de vrai, l'homme n'est que le fruit de son expérience, tu vois. Et par rapport à tout ça, il y a un mécanisme qui peut se mettre en place. Tu vois, il y a le refoulement. Quand tu vis une chose qui est trop lourde à porter, ton âme la rend inconsciente, tu vois. Et pourtant, la douleur, elle subsiste. Donc, ça crée des blocages, comme le frère qui, dès que son père lui a niqué sa confiance, tu vois. Ça laisse des blocages, des traumatismes, ça laisse des douleurs. Et de ces douleurs résultent des mécanismes d'autodéfense du cerveau, tu vois. Mais le refoulement, c'est pas le stade le plus avancé. Après ça, il y a le déni. Tu nies complètement la chose qui a eu lieu. Quand bien même, elle est proche de tes yeux comme tes cils, tu la nies. Après le déni vient la sublimation, le syndrome de Stockholm, le fameux. Tu transformes cette énergie négative en énergie positive parce que tu ne peux plus l'endurer. Par exemple, la culpabilité subi... humaine, tu vois. Tu l'as subi tellement qu'elle en devient magnifique. Putain, c'est excellent ce gars. Elle en devient magnifique parce que. Frérot, te fais jamais avoir par la crasse. T'es une espèce en voie de disparition. Wallahi, c'est moi qui te le dis. Non, ça va, alhamdoulilah. Je ne suis pas attaché à cette dounia. Très bien. Écoute, frérot, merci beaucoup. On applaudit le frère, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Ce fut un festival. Bien vu, mon frère, t'es un bon. Tu redonnes confiance à l'an 2000. Wallahi l'azim, frérot. Prends soin de toi à la prochaine, Inch'Allah. Il m'a redonné confiance à l'an 2000. It's hard to knock it. The place to be. To live in LA. Ah, c'est Chute Libre. Le film, il s'appelle Chute Libre. Wallahi, je vais aller le voir après. Je vais aller le voir. Chute Libre. J'étais pas au courant, les frères, mais quand DC's, ils chantaient à l'époque Un Poisson Rouge, en vrai, cette histoire, elle a vraiment existé. Je crois que c'est une famille des Tarterets. Elle avait vendu du poisson, ou je sais pas, elle avait laissé un poisson à une autre famille. Elle s'est partie en couille à cause d'un poisson rouge. Donc c'est vrai quand il dit à cause de ce putain de poisson rouge. C'est fou quand même, hein? Incroyable! 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 Wallahi, c'est une vraie histoire, le poisson rouge. Vrai ou faux, les gens? Attends, il y a des gens du 9-1 qui vont nous répondre. Voilà, les pyramides. C'est vrai ou pas? Il était pas frais, le poisson. Aïchik, celui qui connaît l'histoire, veuillez me la raconter sur Snap. Je la publie. À cause d'un poisson rouge. Il y en a, il me dit, c'est vrai. Incroyable! Incroyable! Ils se sont tirés dessus à cause d'un poisson rouge. Ouais. C'est une poissonnerie, pas un poisson rouge. D'accord. Oui, Bassem, c'est vrai. Incroyable. Bon. Allez, merci. Merci beaucoup de nous avoir appelés, les gars. Vous étiez des bons. Voilà. On se revoit demain. Salam alaikum les gens. Vous êtes des bons.
Messi, certes. Allez, second poteau, pas mal.